Mes chers collègues, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quelques minutes de retard pour nous permettre d'accueillir nos derniers invités, donc nous allons pouvoir débuter cette audition.
Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser le président Thomas Gassiou qui a dû quitter Paris pour une obligation en circonscription, ce qui me vaut le plaisir d'accueillir aujourd'hui les représentants des associations du monde combattant, et plus précisément celles qui composent, qu'il est convenu d'appeler le G12 combattant. Je vais donc vous les présenter, mes chers collègues, même si de nombreux visages nous sont familiers désormais. Je commence par le comité d'entente des grands invalides de guerre et l'union des blessés de la face et de la tête, communément appelés les gueules cassées, représentés tous deux par le général Paul Dodan. Et mon général, j'ai bien noté que vous avez été mandaté par diverses associations pour exprimer une voix commune sur un sujet central, l'impact de l'inflation sur le point PMI. Vous commencerez donc cette audition. La Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et des victimes de guerre, la FNAM, représentée par le général René Peter. Je vous remercie, mon général, d'avoir mis à disposition des députés une BD que votre association a fait éditer, qui retrace la vie d'André Maginot et plus largement l'historique de la prise de conscience et des mesures adoptées en faveur des anciens combattants et victimes de guerre. Une bande dessinée donc, qui est disponible sur les, voilà, en bout de table que j'ai moi-même pu consulter hier et dont je vous recommande vivement la lecture. L'Union nationale des combattants, représentée par le général Hervé Longuet, l'association des plus grands invalides de guerre, je crois que nous attendons toujours son représentant. Il est là, il est arrivé, parfait, bienvenue à vous. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, représentée par M. Dominique Lépine. L'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix, ARAC, représentée par Mme Liliane Rebi. L'Association des Français rapatriés d'origine nord-africaine en Allemagne et en Alsace, représentée par M. Ahmed Goudjil, qui nous a rejoint. La Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, représentée par M. Serge Offredoux. Le Souvenir français, représenté par son président, M. Serge Barcellini. L'Association nationale des participants aux opérations extérieures, représentée par le général Jean-Paul Martial. La Fédération nationale des anciens d'outre-mer et des anciens combattants des troupes de marine, représentée par le général Philippe Bonnet. La Fédération nationale des anciens des missions extérieures et OPEX, représentée par M. Laurent Attarberou. La Fédération nationale des harkis, M. Vitu, je crois, n'est pas encore arrivé. L'Association de soutien à l'armée française, l'ASAF, représentée par le colonel Christian Châtillon. Et l'Union fédérale, représentée par Gérard Ruffier-Monnet. Votre audition aujourd'hui revêt une importance particulière pour la Commission de la Défense. C'est toujours le cas, mais cette année peut-être encore plus, puisque 2024 sera le 80e anniversaire du débarquement. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas seulement la Commission des Forces armées, mais également la Commission de la Défense nationale. Et je sais l'attention que chacune de vos associations porte au renforcement des forces morales de notre nation, notamment en entretenant la mémoire des anciens à travers les différentes commémorations auxquelles vous participez, les liens très étroits que vous entretenez avec la jeunesse de notre pays. Je sais d'ailleurs que la plupart d'entre vous ont été associés à une table ronde organisée le 22 septembre dernier par notre rapporteur pour avis de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation, Madame Valérie Bazin-Malgras. Je suis personnellement profondément convaincu de l'importance pour la représentation nationale de vous entendre en audition publique. Notre audition est retransmise en direct et elle sera visible par tout un chacun, afin de permettre à tous nos concitoyens d'assister via la diffusion de notre rencontre à nos échanges. Et je crois qu'il est essentiel que vos témoignages soient écoutés de tous. Et je rajoute que nous faisons tout ça, en tout cas moi, depuis ma jeunesse et en regardant vers votre engagement actuel et passé avec beaucoup d'humilité. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, 5 minutes chacun, afin de nous exposer votre appréciation du budget, des actions en faveur des anciens combattants et de la mémoire. Un budget stable, marqué par l'annonce faite par Madame la secrétaire d'État, Patricia Mirallès, devant notre commission le 11 octobre dernier, de la revalorisation anticipée de 1,5% du point de PMI au 1er janvier 2024. Voilà, donc je laisse la parole au général Dodan. Bien, monsieur le vice-président, président de séance,
Mesdames et messieurs les parlementaires de la Commission de la Défense, je tiens en premier lieu à vous remercier de nous accueillir à l'Assemblée nationale pour nous exprimer sur la situation du monde combattant et sur le budget 2024. Je suis le général Paul Doudan, je représente simultanément deux membres du groupe des 12, l'UBFT, Union des blessés de la face et de la tête, et le CEGIG, Comité d'entente des grands invalides de guerre, qui regroupe 6 structures de grands invalides, les plus grands invalides de guerre, les gueules cassées, les amputés, les aveugles, les mutilés des yeux et des oreilles, les blessés multiples et impotents de guerre. Le CEGIG compte parmi ses membres bon nombre de pensionnés pour qui la PMI, pension militaire d'invalidité, constitue une part conséquente de leurs revenus. Il a donc une forte légitimité pour vous parler de l'évolution du montant des pensions et de leur pouvoir d'achat. Mon propos portera exclusivement sur le sujet récurrent de la valeur du point de pension, qui sert à en calculer le montant. Le texte que je vous présente a été rédigé en communion d'esprit avec l'Union nationale des combattants, la Fédération Maginot, la Fédération des anciens combattants des troupes de marine et l'Association nationale des combattants des OPEX. Pour éviter des redites et des redondances, ces associations ne reviendront pas sur le sujet. Avant de rentrer dans le détail de ce qui nous préoccupe, je voudrais d'abord resituer le contexte juridique dans lequel s'inscrivent les pensions militaires d'invalidité. Les textes législatifs qui régissent les pensions ont fait l'objet d'une ordonnance à la fin de l'année 2015. Cette ordonnance a été ratifiée par vos soins avec le vote de la dernière LPM en 2018. Il s'agit donc de textes contemporains et actualisés. Donc je cite le premier article, article législatif 1 du code de la partie législative du code des pensions. La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. La République s'incline. C'est pas la République. La République s'incline. L'article 2. Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. On se situe bien dans la logique d'une dette de l'État qui a rapproché de la phrase bien connue de Clémenceau « Ils ont des droits sur nous » ou celle de René Cassin « Les mutilés sont les premiers créanciers de la nation ». Du reste, les PMI font l'objet d'une inscription au grand livre de la dette publique. Le principe de la réparation consiste en ce que l'État compense par de l'argent le préjudice d'une gêne fonctionnelle dont il est responsable. Les blessés n'ayant plus la même capacité à gagner leur vie, il faut compléter leurs revenus. Et c'est le rôle de la pension. La réalité de cette réparation ne peut échapper à la responsabilité des parlementaires qui l'ont décidée et confirmée récemment. Le décor étant posé, quel est le problème du point de PMI ? Le problème de fond est que la PMI est une dette viagère de l'État qui s'étale sur plusieurs décennies et traverse des conjonctures variables. Son pouvoir d'achat est donc lié à l'inflation. Et on n'a pas trouvé à ce jour un système parfait qui préserve le pouvoir d'achat des pensions. Et donc, des interventions à la hausse hors système d'indexation se sont montrées nécessaires. Rentrons maintenant dans le détail des chiffres à travers un exemple concret. Plaçons-nous en 2005. Alors, pourquoi 2005 ? Parce que c'est l'année de départ du système d'indexation actuellement en vigueur. Et prenons le cas d'un pensionné qui, en 2005, est allé au supermarché, a rempli son caddie pour 100 euros. 100 euros qu'il prélève sur sa pension. En 2023, ce même caddie ne coûte plus 100 euros, mais 131 euros.
et les 100 euros de pension ont bien été réévalués à 121 euros. Mais il manque malgré tout 10 euros. Hein. Donc le pensionné doit remettre des produits dans le rayon. En ce moment, l'inflation augmente plus vite que les pensions. Les années 2021 et 2022 ont été pénalisantes en termes de hausse des prix. Et sur la base de l'année 2005, l'évolution des prix est de 10% supérieure à celle des PMI. Enfin, 10%, 10 points. Cette situation est préjudiciable, en particulier aux grands invalides et aux mutilés qui vivent avec leur pension. Hein, ce n'est pas un appoint, c'est le revenu principal. Les dispositions prises à l'issue de la commission tripartite Parlement, Administration, Association, mises en place par Mme Darrieussecq en 2020-2021, avaient tout leur sens dans le contexte économique de l'époque. Une faible inflation et un blocage annoncé du point de la fonction publique sur lequel est indexé le point de PMI. Bon, la situation a un peu changé. Et il a été prévu aussi une clause de revoyure tous les deux ans. L'annonce récente par Mme Miralles d'une augmentation de 1,5% de la valeur du point a été assez mal perçue par la communauté des pensionnés et considérée comme une aumône. Si vous voulez vous en convaincre, vous allez sur les réseaux sociaux et vous voyez les commentaires qui sont faits. J'en ai quelques spécimens avec moi là. Toutefois, ceux qui ont une idée sur les conférences budgétaires en interministériel ne peuvent que saluer la ténacité et la performance de notre secrétaire d'État qui a réussi à décrocher quelque chose qui n'était pas prévu dans le projet de loi initial. Et en mettant le pied dans la porte, si vous me permettez l'expression, elle ouvre des perspectives nouvelles et des espoirs. Alors face à cette situation, nos souhaits sont les suivants. Sans méconnaître les contraintes imposées par l'article 40 de la Constitution, nous comptons sur votre bienveillante agilité pour parfaire cette hausse de 1,5% de la valeur du point. Deuxième point, le sujet de la valeur du point étant assez complexe, permanent et mal connu, une étude parlementaire sur la question serait la bienvenue. Et troisième point, qui est une précaution, le décret qui prolonge cette commission tripartite fait état d'un rapport remis au Parlement qui étudie l'évolution comparée entre les PMI et le coût de la vie, hein, avec une fréquence bisannuelle, de façon à faire deux fois par quinquennat. C'était ça l'idée. Donc le premier rapport doit arriver en 2024. Le décret précise dans le courant de l'année, mais ne précise pas la date ou le mois. Nous vous demandons de veiller à ce que ce rapport vous soit transmis dans des délais compatibles avec la construction du budget 2025. Si le rapport arrive au mois d'octobre, bon, on est d'accord, hein. Donc en conclusion, la valeur du point de PMI est un sujet sérieux qui mérite toute votre attention. Par ailleurs, au-delà du simple aspect financier, la considération portée aux pensionnés n'est pas sans incidence sur le moral des jeunes soldats qui nous observent. Voilà, j'en ai terminé. Merci mon général pour ce plaidoyer. Vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques minutes la prise de parole de chacun des groupes qui composent notre assemblée. Et effectivement, nous serons vigilants sur la remise du rapport au Parlement dans des délais qui nous permettent d'en tirer toutes les conséquences sur le reste. Alors, avec la bienveillance de la Fédération nationale André Maginot, nous allons modifier un tout petit peu l'ordre de passage pour permettre au président Barcellini, qui a une contrainte, de s'exprimer. Je vous laisse la parole, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Et je présente mes excuses à l'ensemble de l'Assemblée d'être obligé de partir un peu rapidement. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, mon propos ne sera pas sur le code du PMI et je félicite le général Dodan, c'est d'une clarté absolue. Je pense que s'il ne vous a pas convaincu, hein, il a convaincu tout le monde ici.
Je souhaiterais simplement évoquer trois composantes. La composante lien armée-nation et la politique de mémoire. Donc je vais me resserrer sur le budget, essentiellement sur ces deux points. Alors, la composante lien armée-nation, vous avez une ligne budgétaire à 26 millions, grosso modo, qui se décompose essentiellement avec la journée de défense, qui est à 23 millions à peu près, avec une augmentation tout à fait intéressante. Elle va tout à fait dans le sens du général Dodane, puisque pour la JDC, on a mis 1,53 million d'euros de plus pour la nourriture, ce qui montre bien que là, il y a eu un effort pris sur l'inflation pour la JDC. Vous avez, je laisse la JDC, 2,22 millions pour le service militaire volontaire, ce qui montre une absence de politique forte. Le service militaire volontaire doit être un axe déterminant de cette lien armée-jeunesse. 2 millions, ça traduit une absence véritable de vision sur le service militaire volontaire. Enfin, le reste, il reste 1 800 000 euros pour tout le reste. Et tout le reste, c'est-à-dire toutes les initiatives que met en place le ministère des Armées, voire le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire le SNU, les cadets de la Défense, les cadets de la Gendarmerie, l'escadrille armée-jeunesse, la commission armée-jeunesse. C'est peu. C'est peu pour un ensemble d'initiatives qui méritent aujourd'hui d'avoir une véritable structure idéologique. Car nous avons là, à travers tout ce qui se passe dans le pays, nous savons que la composante lien armée-jeunesse est une composante forte, nécessaire, qui doit se traduire dans ce budget. Et là, nous avons des interrogations. C'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est sur la composante politique de mémoire. Alors, lorsque vous lisez les chiffres, vous vous dites, mais c'est merveilleux, 87% d'augmentation, 42 429 000 euros pour la politique de mémoire. En fait, regardons la décomposition de ces 42 millions. La première chose, c'est un transfert. Le Conseil national des communes combattants de la Libération, grosso modo 2 millions d'euros qui sont transférés. Ce qui veut dire qu'il va falloir surveiller que lorsqu'il y aura augmentation, il y a également augmentation dans le budget. Parce que les transferts, nous savons toujours que les transferts sont compliqués, et on va le voir justement pour un deuxième point. La vie commémorative. La vie commémorative, il y a 1 million d'euros de plus pour le 14 juillet. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore compris, c'est une conséquence simplement des Jeux Olympiques, puisque nous déplaçons la cérémonie du 14 juillet, et que pour déplacer la cérémonie du 14 juillet, nous mettons 1 million d'euros. Ensuite, il y a le GIP. 14 millions d'euros, grosso modo, pour le 80e anniversaire que vous avez signalé tout à l'heure. Et ce 80e anniversaire, Monsieur le Président, vous avez avec juste raison dit que ça va être une structure formidable des politiques de mémoire de l'année 2024. Alors, 14 millions d'euros pour le GIP. 14 millions d'euros en sachant que l'État va avoir le 6 juin et le 15 août, deux grandes cérémonies pour les débarquements. Le 6 juin, vous méfiez-vous, ça va coûter déjà largement 14 millions d'euros. Que reste-t-il pour épauler toutes les collectivités territoriales qui toutes vont faire le 80e anniversaire? Le 80e anniversaire, c'est quelque chose de central. C'est le dernier anniversaire où vous avez encore quelqu'un qui pourra dire « je les ai vus passer ». Je dis à peine quelqu'un qui dira « j'y étais, je les ai vus passer ». Le 80e anniversaire est central. 13,8 millions, réfléchissons. Est-ce qu'il y a là véritablement une traduction d'une volonté forte? Nous devons nous interroger. Et puis, la politique de mémoire, c'est le patrimoine. Alors, le patrimoine, nous avons 14,5 millions. Pour une fois, j'ai bien regardé les chiffres. Dont 12,9 millions pour les sépultures. Alors, vous allez vous dire, c'est bien. Oui, peut-être. Sauf que, ainsi que vous l'avez vu, 139 nécropoles militaires de 14-18 ont été inscrites au patrimoine mondial dit de l'UNESCO. 139 nécropoles, dont 80% sont propriétés du ministère des Armées. Et vous avez à travers ce budget aucune prise en compte de ce qui va nous retomber dessus. Alors je le dis ici pour les parlementaires, l'inscription d'un site à l'UNESCO, c'est grosso modo 30% de plus de visiteurs dès la première année. C'est chiffré. 30% de plus de visiteurs dans une nécropole, ça veut dire quoi? Ça veut dire où sont les parkings? Où sont les lieux, les toilettes? Et ce budget ne prend pas en compte
ce tournant fondamental qu'est l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des principales nécropoles nationales françaises de 14-18. Voilà les remarques que je souhaitais vous faire et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Mon général, pour la FNAM, c'est à votre tour. Monsieur le Vice-président, de me donner la parole. Mesdames et messieurs les députés, je vous salue. Le général Dodan, mon ami, vient de s'exprimer en notre nom pour évoquer l'impact de l'inflation sur la retraite du combattant. Je vais donc profiter de cette audition pour vous présenter rapidement le bilan des actions de l'année pour la Fédération nationale André Maginot. L'an passé, j'avais évoqué tout ce que faisait la doyenne des associations des anciens combattants en termes de solidarité vis-à-vis de ses adhérents, mais également pour accompagner les jeunes dans leur parcours citoyen. Cette année a été riche en événements. Nous avons célébré, lors de notre congrès à Tours, le 135e anniversaire de la création de notre fédération et la sortie d'une bande dessinée relatant son histoire et celle d'André Maginot, BD que j'ai le plaisir de vous offrir et pour laquelle je vous souhaite une bonne lecture. Placée sous le haut patronage du président de la République et présidée par la secrétaire d'État chargée des anciens combattants, Patricia Mirales, il nous a permis de réhabiliter la mémoire du grand soldat et de l'immense homme politique que fut Maginot. En effet, quand on parle de Maginot aujourd'hui, on l'associe automatiquement à la ligne Maginot. C'est à la fois négatif et restrictif. C'est négatif parce que dans la mémoire collective, la ligne Maginot a failli. Elle a coûté beaucoup d'argent et elle a failli. Ce qui, bien évidemment, quand on connaît un peu le problème, est faux. Mais surtout, c'est restrictif. Paul Dodan, a tout à l'heure évoqué le droit à réparation, le droit à reconnaissance. Eh bien, quand on connaît l'histoire, eh bien, nous, anciens combattants, tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, on le doit quasiment en totalité à André Maginot. Donc, cette BD et ce congrès ont permis de réhabiliter la mémoire de cet homme. Le 11 novembre prochain, nous serons au premier rang pour commémorer le centenaire du ravivage de la flamme qu'il alluma pour la première fois le 11 novembre 1923, alors qu'il présidait notre fédération et qu'il était ministre de la guerre et des pensions. Par ailleurs, nous avons continué à soutenir nos camarades en difficulté et surtout accompagné plus de 20 000 jeunes scolaires et les 200 professeurs d'histoire qui les ont encadrés dans leurs projets pédagogiques. Nous avons signé ou renouvelé des conventions avec les ministères des armées, de l'éducation nationale, avec le commandement des réserves et de la jeunesse de la gendarmerie. Comme chaque année, nous avons organisé la cérémonie du prix du civisme et de la mémoire qui récompense une vingtaine de lauréats et leurs professeurs, auteurs des meilleurs projets mémoriels. Organisé chaque année à l'Hôtel de Ville de Paris, il se tiendra le 20 mars prochain, ici même à l'Assemblée nationale. Votre présidente a bien voulu accepter de nous accueillir dans ce cadre prestigieux et nous fera l'honneur d'être présente à cette remise des prix. Nous y sommes bien évidemment extrêmement sensibles et la remercions infiniment. Au total, nous aurons financé les divers projets scolaires à hauteur d'environ 600 000 euros, que ce soit ceux de classe de défense, de cadets de la défense, de la gendarmerie ou encore les rallyes citoyens. Nous allons poursuivre nos efforts car les événements récents nous montrent combien cet engagement envers les élèves et les professeurs d'histoire a du sens et se révèle plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, nous avons subventionné le programme Canopée sur 3 ans pour créer un contenu pédagogique afin de former ces mêmes professeurs à l'évocation des grandes dates nationales. Pour financer des projets plus importants de dimension régionale, voire nationale, nous avons participé avec la Direction de la mémoire, de la culture et des archives et l'Union blessée face et la tête, qui est notre partenaire privilégié et avec lequel nous co-organisons et co-finançons de nombreux projets, eh bien, nous avons donc participé avec l'Égal Cassé et la DMCA à la mise en place, sur l'initiative de notre secrétaire d'État, Patricia Mirales, d'une commission paritaire. Nous allons prochainement, ça a été évoqué par M. le contrôleur général des armées, M. Barcellini, nous allons prochainement nous engager à hauteur de 100 000 euros pour soutenir en 2024
toutes les initiatives de notre jeunesse en vue de commémorer les 80 ans de la libération de notre pays en 1944 sur la totalité du territoire. Avec le financement d'équipements particulièrement onéreux pour les hôpitaux militaires, certes, mais pas uniquement certains civils comme celui de Garches, l'aide à nos musées nationaux, la participation à la dotation du fonds du Bleuet, vous voyez, mesdames et messieurs les députés, que nous sommes un petit peu sur tous les fronts. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mon général Maginot, grand soldat et grand député, grand parlementaire également. Tout à fait. La parole est au général Hervé Longuet pour l'UNC. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les députés, merci de l'attention que vous nous portez en nous recevant. C'est une marque d'attachement qui nous touche. Alors, concernant le budget, je dois dire que on ne peut qu'apprécier le fait qu'il n'ait pas été considéré comme une variable d'ajustement et qu'il soit maintenu dans un contexte budgétaire et économique difficile. Là encore, c'est une marque d'estime. Et je me réjouis particulièrement du maintien de la sanctuarisation des crédits affectés à la mission sociale de l'ONACVG. C'est extrêmement important. Ils ont été consommés l'année dernière et dans une situation comme ça, je crois qu'il est absolument nécessaire de ne pas faire l'impasse là-dessus et qu'ils ne soient pas soumis au frimat d'un gel budgétaire, si je puis dire. Bon. L'inflation, on en a parlé et Paul Dodan s'est exprimé en notre nom. Le plan blessé, alors là, nous sommes très satisfaits du plan blessé et l'objectif est bien que la seule préoccupation du blessé, ce soit celle de soigner et de se reconstruire, ce qui présuppose bien sûr que les services de l'État soient en appui du blessé. Et nous serons très vigilants pour rappeler à l'administration ses devoirs si d'aventure elle s'égarait dans le syndrome bureaucratique dont elle souffre parfois. Point positif aussi, l'indemnisation des blessures et des maladies contractées en service. C'est une mesure qui met fin à la différence de traitement entre les agents civils et les militaires, les agents civils bénéficiant, eux, d'une réparation intégrale avec ou sans faute de l'État. Enfin, le projet de construction de nouvelles maisons à Tos est aussi un signal fort de la volonté de prise en compte, et en particulier de blessés et de ceux atteints du SSPT. Madame la députée, vous avez reçu nos associations pour faire un point sur leur perception sur les maisons Atos. Bon. Autre point positif, l'octroi d'une demi-part fiscale aux conjoints survivants de plus de 74 ans, quel que soit l'âge de décès de l'ancien combattant, ça a été écrit très, très favorable. Un bémol, cependant, la problématique du calendrier et du versement d'allocation de reconnaissance du combattant. Les RRH sont désormais fixés semestriellement à terme échu, à des dates fixées par rapport au mois de naissance. C'est ainsi qu'un allocataire né au mois de janvier ne percevra que cette année que la moitié et le reste début 2024. Pour ceux qui sont d'une fragilité financière, c'est quand même un gros préjudice. Alors maintenant, je voudrais aborder, si vous le permettez, le problème de la fiscalité. La fiscalité qui s'applique aux associations d'anciens combattants et au motif qu'elles ne sont pas considérées comme agissant au profit d'un cercle restreint de personnes, l'administration fiscale leur dénie la qualité d'organisme d'intérêt général. Bon, en d'autres termes, pour être clair, nous n'avons pas le droit d'émettre des reçus fiscaux. Alors, dans les échanges réguliers qu'on a avec Bercy, on nous fait savoir qu'il est cependant possible d'engager une procédure de rescrit. Je vais rentrer dans les termes un peu techniques, c'est-à-dire pour chaque opération d'obtenir un avis valant de position formelle sur le régime de mécénat. Bon, bel exemple de complexité administrative qui n'encourage pas vraiment et ou qui est extrêmement moyen faible, pardonnez-moi l'expression, pour la motivation d'éventuels donateurs. Or, comme vous le savez bien, le champ d'action des associations dépasse largement le cercle restreint. Le cercle restreint, c'est-à-dire des actions à destination de ses propres adhérents. Vous le savez, et ça a été dit, et ça a été bien rappelé d'ailleurs dans le rapport qu'a fait la mission flash que vous avez fait, monsieur le député, avec le député Ardouin, les associations, elles sortent largement de leurs actions du cercle dit restreint. Par exemple, en ce qui nous concerne, vous savez, on est 160 000 répartis en 3 000 associations. On est véritablement, j'allais dire, sur le terroir. On est dans le maillage territorial qui nous permet de beaucoup de proximité. Et en particulier, et ça a été évoqué à plusieurs reprises par René Péter et par Serge Barcellini, le domaine de la mémoire. Hein. Le domaine de la mémoire au service des valeurs républicaines, oserais-je dire,
que nous apportons modestement notre pierre à l'édifice de la construction citoyenne de notre jeunesse. Et ce n'est pas un vain mot ou un vain projet dans le contexte actuel. Alors, formation de cadets, des cadets de l'UNC, formation de jeunes porte-drapeau, intervention dans les classes, organisation de voyages mémoriels, participation à la restauration de monuments aux morts, à l'abandon. Voilà ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes aussi investis dans le champ de la solidarité en aidant nos camarades blessés par la proximité qu'on leur apporte, ou nous fournissons aussi des aides à la reconversion des militaires qui quittent l'institution, des jeunes militaires. Alors, vous voyez, on sort largement du cercle restreint. Alors, toutes ces actions de proximité nécessitent un soutien financier que motiverait et amplifierait localement, j'entends bien localement, la capacité à délivrer des reçus fiscaux, au fond, donner une visibilité à hauteur d'homme qui permettrait à ceux qui contribuent localement de mesurer concrètement leur apport et de se considérer, d'être considérés comme des partenaires citoyens de nos actions. Voilà. Je voudrais m'accorder 25 secondes. Terminé. Je dépasse, mais la dernière fois, je dépassais de 7 minutes. Là, je ne dépasserai que d'une 30 secondes. Marge de progrès. Bon, je voudrais terminer pour évoquer sur quelque chose qui est la réserve qui, effectivement, connaît une grosse impulsion dans la LPM. Bon, Sentinelles, ce sont beaucoup de réservistes hein, dans une opération qui est conduite avec des armes de guerre sur le territoire national. Le doute sur la dangerosité de cette mission n'est plus à démontrer, et je crains fort qu'en contexte actuel, le niveau du risque encouru monte d'un cran, de plusieurs crans. Alors, nous estimons opportun de rendre possible l'attribution du TRN de la nation, du titre de reconnaissance de la nation à ses volontaires pour ses réservistes opérationnels, pour qu'ils reviennent des véritables ressortissants de l'ONACVG et reconnus comme des militaires à part entière dès lors qu'ils revêtent l'uniforme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mon général. La parole est à Monsieur Raymond Casal pour l'Association des plus grands invalides de guerre. Bon, je suis président de l'Association des plus grands invalides de guerre. Notre association regroupe exclusivement des pensionnés à plus de 85%. La dernière guerre était la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, j'ai moi-même été blessé le 17 novembre 1958. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans quelques jours, dans un mois, 65 ans que je traîne mes blessures. Mais moi, ce n'est rien à côté de ceux qui sont en fauteuil roulant depuis plus de 65 ans. Il faut penser que nos membres, les membres de mon association, ne vivent pratiquement exclusivement que de leur pension militaire. Comment voulez-vous qu'un homme en fauteuil roulant, par blessure, gagne sa vie autrement? Donc, la pension, c'est son moyen vital. L'augmentation qui est proposée par rapport à l'inflation, nous la jugeons ridicule. Et ce n'est pas un vain mot. J'adhère à tout ce qu'a dit notre ami le général Dodan, qui représente aussi les grands mutilés. Les grands mutilés de la guerre d'Algérie sont peu nombreux. Ils sont moins de 100 mutilés, pensionnés à plus de 85%. Notre association n'en compte que 63. Sur ces 63, nous en avons 50 qui ont plus de 85 ans et 4 qui ont plus de 100 ans. Ça veut dire que notre taux de mortalité est compris entre 8 et 10% par an. Vous pouvez vous imaginer que notre association, dans moins de 5 ans, aura disparu. Donc il n'y aura plus de représentants des grands mutilés des dernières guerres. J'ai, moi, assisté à la guerre de 40. J'ai vu le défilé de 40. Notre maison était occupée par les Allemands. J'ai entendu, j'ai accompagné ceux qui ont été blessés en Indochine, qui malheureusement maintenant ont disparu. Le tour de ceux d'Algérie arrive. Pensez à ceux qui n'ont jamais pu travailler, qui ne vivent qu'exclusivement de leur pension. La petite majoration qui va être accordée par rapport au taux d'inflation, ben, vous pensez bien que c'est, je ne dis pas ridicule, mais presque. Donc il est temps qu'on se réveille un peu et qu'on pense qu'il n'y a pas que des pensionnés bienheureux, il y a des pensionnés malheureux.
En Algérie, il n'y a pas que des blessés par balle ou par obus. Il y a aussi des gens qui ont eu la polio. Vous ne savez certainement pas qu'on n'a pas vacciné contre la polio, les appelés du contingent. Ça coûtait trop cher. Donc, un certain nombre ont attrapé la polio en Algérie et sont encore actuellement en fauteuil roulant, pour le peu qui vivent. Parce que je n'en connais pas qui ont eu la polio en Algérie et qui dépassent l'âge de 85 ans. Dans notre association, nous en avions un certain nombre. Maintenant, il doit en rester peut-être 2, maximum 3. Ils sont tous morts. Notre tour, à nous, les grands mutilés, arrive à grands pas. Je vous ai dit que plus de 50 sur 63 avaient plus de 85 ans et que 4 avaient plus de 100 ans. Donc, ce qu'a dit le général Dodane, nous y adhérons parfaitement. Ce qu'ont dit les différents généraux, c'est parfait. Nous sommes une très petite association. Nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas soutenir des grands projets. Par contre, depuis 1924, nous aurons 100 ans en 1924. Depuis 1924, c'est nous qui avions été désignés pour raviver la flamme le jour du 14 juillet. Eh bien, maintenant, nous n'avons même pas un porte-drapeau capable de porter notre drapeau le jour du 14 juillet. Donc, notre fin est proche. Les moyens que vous nous donnez sont ridicules. Je vous demande de penser aux grands invalides qui ne vivent que de leur pension ainsi que leur veuve. Parce que le sort de la veuve est lié au grand mutilé. Si le grand mutilé touche rien ou pas grand-chose, la veuve encore moins. Donc, je vous remercie. J'adhère parfaitement à ce qu'ont dit le général Dodane et les différents généraux. Notre association va disparaître dans peu de temps. Dans moins de 5 ans, il n'y aura plus personne. La guerre d'Algérie, c'est fini. On n'en parle pas. On parle beaucoup des harkis, mais on ne parle pas des appelés du contingent mutilés de la guerre d'Algérie, qui ont, pour certains, vous connaissez tous certainement notre ami Georges Morin, il n'a pas de jambes, il lui manque un bras. L'autre bras, il en charpie, il a des éclats plein le corps, il a 89 ans, il décline tous les jours, mais il est encore vivant. Pour combien de temps? Donc, dans quelques années, les anciens d'Algérie, il n'y en aura plus. Donc, nous ne sommes pas une fédération ou une association qui peut déverser de l'argent. Nous vivons grâce aux subsides de l'UBFT. Si l'UBFT ne nous aidait pas, nous ne pourrions pas nous maintenir. C'est terminé. Merci, Monsieur le Président, et merci de souligner l'importance du travail de mémoire sur cette guerre qui n'a pas toujours été fait à la hauteur de d'autres conflits. Et je veux souligner à cette occasion que j'ai moi-même préfacé un livre qui reprend la mémoire des appelés du Bois Chaud du Sud du Cher, qui a été publié récemment, et voilà, qui montre aussi que ce travail de collecte des témoignages, il est toujours en cours et il est indispensable. Je laisse la parole à Monsieur Dominique Lépine pour l'UFAC. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers amis anciens combattants, l'UFAC adhère totalement à ce qui a été dit jusqu'à présent concernant le point PMI, concernant les grands blessés de guerre, concernant également le processus d'utilité publique, etc. Le FAC apprécie le maintien du budget en état. Dans la perspective de cette réunion, le FAC a adressé à tous, par la voix des groupes parlementaires, il y a moins d'un mois, les conclusions élaborées par sa commission des droits généraux. Un tableau détaillé de la glissade du point PMI est adjoint aux documents transmis. Le FAC insiste sur la nécessité de procéder rapidement à l'alignement du point PMI sur ce qui devrait être son niveau. De longue date, les gouvernements qui se sont suivis ont promis ce rattrapage qui ne vient toujours pas ou qui reste partiel. Les promesses non tenues d'un gouvernement français engagent à leur tour les gouvernements qui suivent. Il n'y a qu'une République française servie par des soldats français, parfois en payant le prix de leur chair. Il est devenu insupportable, comme l'a souligné mon camarade Casal,
de constater que d'année en année, le devoir de réparation qui leur est dû n'est que pas parfaitement assuré ou assumé. Une promesse de revoyure de la commission tripartite a été faite lors de sa tenue. L'UFAC demande que notre représentation nationale, qui était présente à ces travaux, fasse le nécessaire pour que cette commission puisse être réunie à nouveau. L'effort envers les familles doit être noté comme un point fort de la politique de réparation actuelle. L'UFAC soutient totalement cet effort et demande qu'il soit même amplifié, en particulier sur le dispositif ATOS. Il n'en reste pas moins que la méconnaissance de la population française des conditions de vie et des sujétions militaires pourrait rendre l'adhésion de la population à la réparation due aux soldats plus délicate. Lors du dernier colloque organisé à l'école militaire la semaine dernière par la retraite mutualiste des combattants, les statistiques présentées montrent l'excellente vision de la population de son armée. C'est peut-être l'occasion de renforcer un lien armée-nation qui a considérablement souffert de la disparition du service national. Enfin, et je vais terminer par ce point, les conjoints survivants. L'UFAC souhaite que vous continuiez vos travaux sur l'amélioration des conditions de vie de ces derniers, qui, après avoir sacrifié leur vie professionnelle à soigner un grand blessé, qui n'exerce pas lui aussi de vie professionnelle, se retrouve totalement démuni au décès de celui-ci. Il nous apparaît qu'en réalité, ces conjoints survivants ont exercé toute leur vie la profession d'aide-soignant sans être pour autant rémunérés. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Là, je cède la parole à Madame Liliane Rébi pour l'ARAC. Merci, Monsieur le Vice-président de la Commission Défense. Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous soutenir par votre présence et par votre écoute. Je souhaite vous rappeler que l'ARAC que je représente est née en 1917, en pleine guerre 14-18. Trois soldats d'une vingtaine d'années, l'ouvrier Georges Bruyère et deux intellectuels, Paul Valant Couturier et Raymond Lefebvre, sont allés chercher Henri Barbusse, 41 ans, l'écrivain combattant Goncourt 1916 pour le feu, pour créer l'ARAC. Après cette guerre, ce droit à réparation imprescriptible est né avec le combat auquel ils ont participé et avec toutes les associations du monde combattant. Depuis une centaine d'années, l'ARAC prend en compte les parcours des quatre générations du feu. Globalement, nous sommes d'accord avec les missions et les moyens mis sur la mémoire, notamment la commémoration de la libération des 80 ans de la libération de notre pays, la transmission aux jeunes, l'indemnisation aux archiviens enfin. Mais c'est la vie des anciens combattants qui reste notre préoccupation numéro un. Pour ce qui est de la mission anciens combattants, 1,8 milliard d'euros alloués en 2024, 1,9 milliard en 2023. Baisse expliquée par la baisse démographique des ayants droit. Cette marge de manœuvre aurait pu être investie au moins une fois dans l'amélioration de la vie de nos anciens combattants et rattraper des retards vraiment inquiétants. Je ne vais pas revenir. Je reviens sur le point PMI, mais pour la façon dont nous ressentons les difficultés, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant et par toutes les associations qui sont passées avant moi. Le point PMI a été évoqué à l'Assemblée générale de l'UFAC, Union française des anciens combattants, et c'est les accords de la commission tripartite que la revalorisation de ce point avait été envisagée qu'en 2024. Finalement, il a été revalorisé de 3,50% le 1er janvier 2023. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il faudrait une deuxième revalorisation d'au moins 3,05% pour réduire l'écart avec l'évolution du traitement des fonctionnaires. Revalorisation pouvant survenir au moins avec un retard de 6 mois, au pire avec un retard de 18 mois. J'avais signalé ces problèmes en 2023 à cause de l'inflation. Si l'évolution du point PMI était concomitante à celle du salaire des fonctionnaires, ce serait bien plus lisible.
Il est dommage que l'on ne tienne pas compte du retard du point depuis 2005. C'est avec une volonté politique de ne pas aller au-delà de la mandature. La hausse n'est pas suffisante pour soutenir le niveau de vie de nos pensionnés. Pour le PMI, les allocations rattachées, cette somme globale de 755 millions en 2023 est passée à 690 millions d'euros en 2024. Nous devons être vigilants pour que le droit à réparation soit respecté et qu'une justice sociale soit garantie. Il faut privilégier le point PMI, vigilance. Au niveau du point des blessés, l'ARAC a publié la présentation par la secrétaire d'État à la mémoire, faite lors d'une rencontre aux Invalides. Elle a demandé à l'ARAC d'expliquer le pourquoi de ce plan dans notre journal. Nous avons accepté, mais nous restons vigilants. Nous veillerons à ce que les objectifs soient atteints sur le terrain. Hein ? Car le blessé doit juste se soigner et se reconstituer. Notons cependant que lorsqu'on crée le dispositif de 2 maisons à tous supplémentaires, nous agrandissons le territoire d'occupation afin de permettre aux blessés de combattre leurs troubles psychiques, même pour une blessure physique, et favoriser leur établissement. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que cette reprise de ce qui appartenait à l'ONAC auparavant et dont on l'a privé il y a quelques années revient dans les tuyaux. Force est de constater que le budget 2024 des armées est en hausse de 7,5% par rapport à 2023. Au total, il aura augmenté de 46% entre 2017 et 2024. Cela vise à répondre à l'impérieuse nécessité d'engager la remontée en puissance de notre appareil de défense, comme dit le ministre. Ceci pour faire face à la dégradation du contexte international, de moderniser et de transformer nos armées pour permettre d'affronter tout le spectre des mesures, des menaces actuelles et futures. Le contexte international qui se dégrade, s'il nous semble justifier ce budget, ne doit pas nous faire oublier que notre premier but à l'ARAC est la paix. Oui, la guerre va à l'encontre de nos valeurs. Le cri de « guerre à la guerre » d'Henri Barbus, soldat de la paix en 1917, demeure celui de l'ARAC aujourd'hui pour que l'histoire ne se répète pas. Nous luttons ensemble pour construire la paix, pour penser l'avenir. Paul Vaillant-Couturier ne disait-il pas « L'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre ». Je terminerai mes propos par la nécessité d'une action diplomatique et de négociation pour obtenir la paix, que ce soit en Ukraine, en Israël, Palestine ou en Arménie et ailleurs. On ne sait jamais. Il faut soutenir ceux qui partout, notamment en Palestine et en Israël, se battent pour la paix et le retour de la démocratie. Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y aura pas de progrès possible. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, 1997-2004. Merci de m'avoir écouté. Merci, madame. Je cède la parole à monsieur Ahmed Goudjil pour l'Association des Français rapatriés d'origine nord-africaine en Allemagne et en Alsace. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames et messieurs les parlementaires. Merci aux anciens combattants, aux responsables d'anciens combattants. Je pense que ce qui vient d'être dit, je ne peux qu'être d'accord. Je voulais juste, pour ne pas garder la parole trop longtemps, pour laisser à d'autres personnes qui sont spécialistes dans ce domaine de budget, je voulais juste vous informer que notre association assiste et participe dans des collèges pour le devoir de mémoire, en nous expliquant notre participation à la guerre d'Algérie et naturellement sur Paris, où la police auxiliaire a joué un rôle de 1959 à 1962. La police auxiliaire a été créée en 1959 pour venir en aide à nos collègues parisiens
était en difficulté. Il faut savoir qu'il y avait une guerre atroce entre les MNA et les FLN à Paris et dans sa banlieue. Il y a eu un règlement de compte et un combat pour prendre le pouvoir entre ces deux mouvements qui a fait 4000 morts et 6000 blessés. On n'en parle pas beaucoup. Alors, les policiers auxiliaires à Paris ont subi, à l'époque, ils ont subi 54 attaques. 46 de nos compagnons ont été tués au combat et 82 blessés. Alors, c'est pour vous dire que notre participation à la mémoire, que beaucoup de gens ignorent ou qui ne veulent pas le savoir, a été une action solide et une action importante, parce que ça a permis de récupérer une quantité d'armes, importante, qui aurait pu faire des dégâts énormes à Paris. Et bien sûr, des interpellations de quelques responsables de la fédération, à FLN. Et voilà, donc le drame a été que nous, on a eu en quelque sorte la chance d'être à Paris. Mais ceux qui ont été rapatriés, c'est ceux qui sont restés en Algérie, abandonnés, on peut le dire, ont subi ce que vous le savez tous, un règlement de compte et une atrocité horrible, cauchemar. Ceux qui ont été rapatriés, mal accueillis et cachés dans des camps pour ne pas le montrer pratiquement aux Français, parce qu'ils avaient, on dirait qu'on avait, honte d'accueillir ces soldats. Voilà, je ne vais pas mobiliser la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit passage, un petit rappel historique. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel. Je cède la parole à Monsieur Serge Offredoux pour la Fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis, je représente la Fédération nationale des anciens combattants, prisonniers de guerre et des combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Je suis tout à fait d'accord avec les interventions qu'il vient de M. Paul Dodan au sujet du point PMI et aussi, assez actuellement, aussi pour M. le président de l'UNC, M. Casal, et le président de l'IFAC, M. Lépine. J'interviendrai au nom de la Fédération pour surtout les personnes de chez nous qui sont les veuves. Les veuves sont très satisfaites d'avoir eu la demi-part fiscale accordée pour les veuves ayant la carte du combattant. Mais nous laissons sur le passage et sur le bord de la route les personnes qui n'ont pas eu la carte du combattant, malheureusement, parce que soit que le mari a été blessé ou est revenu sur les territoires nationaux et est décédé peu avant l'obtention de la carte du combattant. Donc ce sont les personnes qui sont atteintes d'une double peine, parce qu'ils ont perdu leur mari et ils ont eu seulement le titre de reconnaissance de la nation. Nous avons fait un sondage et il y aurait à peine 2% de veuves qui seraient atteintes de cette demi-part fiscale qui ne serait pas attribuée. Donc nous avons notre vice-président des veuves qui a fait une petite proposition de l'article 95 du Code des impôts sur le revenu. Alors, âgé de plus de 74 ans, je dis l'article, un passage de l'article 95. Âgé de plus de 74 ans, les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu de la disposition du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition est également applicable aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans et des personnes mentionnées ci-dessus, ainsi que les personnes âgées de
moins de 74 ans dont étant en possession de la carte du combattant. La proposition de notre fédération au nom des conjoints survivants, les anciens combattants. L'article 95, donc modifié, ce serait les personnes âgées de plus de 75 ans titulaires de la carte du combattant et d'une pension servie en vertu de la disposition du code de pension militaire d'invalidité ou des victimes de guerre. Cette disposition est également applicable aux conjoints survivants âgés de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus, ainsi que les personnes âgées de moins de 74 ans, en possession de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Voilà exactement ce que nos veuves demanderaient pour ne pas les laisser encore sur le côté de la route. Notre fédération est une vieille fédération issue des prisonniers de guerre en 1945. Nous faisons une part sociale pour venir en aide à toutes les personnes défaillantes, surtout du côté financier, et nous attribuons environ 700 000 euros tous les ans pour nos personnes ayant des difficultés financières. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'augmentation du point PMI et de revoir que toutes ces personnes sont attentives à ce que l'État soit reconnaissant envers ces personnes. Merci de votre attention. Je vous remercie et je laisse la parole au général Jean-Paul Martial pour l'Association nationale des participants aux opérations extérieures. Mesdames, Messieurs, le général Paul Dodane est intervenu en notre nom sur la valeur du point d'indice PMI. Le sujet de sa revalorisation dans le contexte inflationniste que nous connaissons aujourd'hui est l'attente majeure de nos combattants. Je n'y reviendrai pas. Je souhaite simplement aborder rapidement trois autres attentes des OPEX dont la prise en compte conduirait à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. Premièrement, la question des théâtres d'opérations extérieures oubliés. Des théâtres d'opérations ne sont pas reconnus opérations extérieures et n'ouvrent pas droit au titre de reconnaissance de la nation ou à la carte du combattant. Ils ne figurent pas dans l'arrêté de 1994. L'attention du ministre des Armées a été appelée à plusieurs reprises sur cette situation qui pénalise d'anciens appelés du contingent ou engagés volontaires, carrière courte, s'ils n'ont effectué que ces missions. Cette absence de reconnaissance est mal ressentie. Nous sollicitons donc l'ouverture de travaux pour examiner chacune des opérations concernées, notamment celles qui étaient liées à des accords de coopération et de défense, par exemple celle du Tchad avant mars 1969. Ouvrir ce droit aurait bien évidemment un impact financier, toutefois relatif compte tenu de l'effectif relativement faible. Je note qu'il y a urgence à traiter en priorité les opérations des années 60 et 70, car elles ouvriraient droit dès à présent, dès aujourd'hui, à l'allocation de reconnaissance du combattant. Deuxième point que je souhaite aborder, les familles de morts pour la France et notamment la reconnaissance des ascendants. Force est de constater que les droits ouverts aux familles de morts pour la France sous-entendent souvent conjoints et enfants. De nombreux soldats, MPF, étaient jeunes et célibataires. Une reconnaissance des ascendants est attendue par les parents de ces soldats. Elle nécessiterait notamment de modifier le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre à chaque fois que nécessaire. Là encore, l'impact financier serait limité, mais cette attente maintes fois exprimée devrait être aussi prise en compte dans la durée, par exemple, par des invitations aux cérémonies nationales, l'ANOPEX propose que ce soit le cas tous les 10 ans pour leur témoigner de la reconnaissance de la nation dans la durée. Troisième point, faciliter la participation des actifs aux commémorations et aux instances du monde combattant. Les OPEX comptent en leur rang une majorité d'actifs, salariés du privé, fonctionnaires et autres. Pour participer aux commémorations hors jours fériés,
Ils sont contraints, je les cite, de prendre sur leurs jours de congé. Et je précise que la majorité d'entre eux sont chargés de famille. Ainsi, nous constatons une surreprésentation des retraités lors de ces commémorations qui ne reflète pas la réalité des combattants des opérations extérieures. Pour préparer la relève, il nous faut mobiliser ces jeunes actifs en leur facilitant la participation à la vie du monde combattant, qu'il s'agisse des commémorations, mais aussi à la participation aux instances comme les conseils départementaux de l'Office national des combattants et victimes de guerre, et surtout de transmission de la mémoire dans le cadre de témoignages dans les établissements scolaires. À l'instar de certaines dispositions déjà existantes, notamment dans le Code du travail, un dispositif maîtrisé de journée de décharge mériterait d'être étudié. Cela me semble relever de dispositions législatives et, ultérieurement, d'un encadrement réglementaire qui offrirait toutes les garanties souhaitables aux parties prenantes, salariés, employeurs et associations. En conclusion, je précisais que d'autres questions nous sont souvent posées et je souhaite les évoquer ici très rapidement. La première, c'est l'âge du versement de l'allocation de reconnaissance du combattant. Pourquoi 65 ans ? Pourquoi attendre 65 ans pour être reconnu concrètement ? La seconde, c'est le bénéfice de la demi-part fiscale. Pourquoi 74 ans ? La troisième, c'est le nombre de points d'indice PMI de la location de reconnaissance du combattant, qui n'a pas évolué depuis 2017. Une piste, un des nombreux leviers, entre autres, pour compenser l'inflation que nous évoquions tous et le décrochage de ces dernières années. Le temps m'est compté, donc je ne développe pas ces différents points, mais qui mériteraient une attention toute particulière. Merci beaucoup, mon général. La parole est au général Philippe Bonnet. Merci, monsieur. Merci, monsieur le vice-président. Mesdames et messieurs les députés, chers amis du monde combattant, je préside depuis bientôt 6 ans la Fédération nationale des anciens d'outre-mer, anciens combattants des troupes de marine, une fédération reconnue d'utilité publique depuis 1929 et qui célèbre cette année son centenaire. Elle rassemble 78 amicales en France métropolitaine, dans nos départements d'outre-mer et à l'étranger. L'une des particularités de cette fédération est son lien très étroit avec l'armée de terre, l'armée d'active, l'arme des troupes de marine tout spécialement, qui a célébré l'an passé ses 400 ans d'existence. Alors, active et ancien, issu de cette arme, constitue une véritable famille qui réalise d'importantes actions, principalement de solidarité vis-à-vis de ses membres en difficulté et dans le domaine de la mémoire. Celle des soldats d'outre-mer, au sens très large, en particulier, et à travers le soutien et la gestion de 2 musées, dont un important à Fréjus. Cette mémoire est ardemment entretenue et transmise, notamment aux jeunes soldats, car elle nourrit l'esprit de corps et les forces morales de nos unités. Nous nous efforçons également de transmettre cette mémoire aux jeunes générations du monde civil. Alors, s'agissant du budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, celui prévu pour 2024 va globalement dans le bon sens, dans la lignée de l'année passée. Mais nous regrettons que le point de PMI connaisse une augmentation nettement inférieure au taux de l'inflation. Le général Paul Dodane s'est exprimé en notre nom aussi, et je l'en remercie. Ce constat mitigé donc commande de maintenir les efforts entrepris l'an passé et d'engager de nouvelles actions. Alors, sur le plan financier, j'en avais évoqué 2 l'année dernière qui n'ont que très peu été suivis d'effet. Nous le regrettons. Tout d'abord, l'appui aux activités de mémoire, c'est-à-dire l'entretien et la gestion des sites muséaux et l'organisation des manifestations de mémoire. Certaines associations, grandes fédérations comme la nôtre, sont en première ligne sur ces 2 registres. L'État y est très sensible car il ne peut tout faire. Néanmoins, il doit leur marquer concrètement son intérêt en les subventionnant un peu plus généreusement et en soutenant leurs besoins de mécénat en direction des entreprises, notamment celles du secteur défense. Nous n'avons obtenu que très peu d'appui dans ce domaine-là. Pour votre information, la rénovation et l'extension du musée des troupes de marine de Fréjus, 7,5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, devra certes beaucoup à la contribution de certaines collectivités, la région PACA, le département du Var et la municipalité de Fréjus, notamment.
Mais sans la générosité de nos membres et de certaines associations ici présentes, rien n'aurait été possible, notamment pour le lancement de cette affaire il y a plus de 5 ans. Il reste cependant beaucoup à faire pour honorer cette facture importante et nous espérons que votre appui, mesdames et messieurs les parlementaires, auprès de nos industriels de l'armement, dont l'activité connaît une nette hausse, pourra nous aider. Mon second point concerne l'aide aux associations combattantes et la considération que l'État accorde, au moins aux plus actives d'entre elles, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique comme la nôtre. Ceci par le maintien de ces subventions, comme je l'indiquais il y a quelques instants, mais aussi et surtout par l'exonération des redevances pour les associations qui sont installées dans des locaux des armées, des locaux militaires. Si ces dernières associations, toutes nos amicales pratiquement, comprennent bien la nécessité d'être officiellement autorisées à séjourner dans ces enceintes, par le biais d'une autorisation d'occupation temporaire, elles admettent mal, voire très mal, de devoir payer une redevance à l'instar d'associations sportives ou à but lucratif. Leur but précisément non lucratif et la nature de leur objet social devraient les exempter de ces taxes qui leur sont imposées par le ministère des Finances et qui ont augmenté dans des proportions nettement, trop nettement excessives cette année, de l'ordre de 10 fois les redevances qui étaient ordinairement demandées jusqu'en 2022. Alors, nos amicales ne manquent pas de dynamisme dans leurs actions de solidarité et de mémoire, mais elles n'ont pas besoin de voir leurs ressources, qui sont bien souvent limitées aux cotisations de leurs membres et de quelques subventions, donc des ressources souvent comptées, amoindries par ces redevances. Certaines de ces associations s'occupent de l'entretien de lieux de mémoire, voire de sanctuaires, comme nous-mêmes, à Bazeilles dans les Ardennes ou à Fréjus, et elles sont en première ligne de l'entretien du lien armée-nation. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore une minute, peut-être. Hors du champ strictement financier, permettez-moi d'évoquer deux autres points importants. Ils ne sont pas d'ordre financier, mais sont importants pour la reconnaissance de nos anciens. D'abord, la reconnaissance des mérites des anciens combattants. Un accroissement des contingents de décoration dans les ordres nationaux s'impose à l'évidence. Ceci afin d'éviter des promotions bien trop tardives qui n'ont parfois, hélas, plus de sens à quelques mois du décès. Et puis de permettre une meilleure prise en compte, cette augmentation des contingents, des plus jeunes combattants, ceux des OPEX en particulier, qui sont pas moins méritants. Cela dit, je l'indique assez nettement, un effort tout particulier en direction des combattants de la guerre d'Indochine me paraît nécessaire, alors que nous célébrerons en 2024 le 70e anniversaire de la fin des combats. Il concerne non seulement des combattants français, mais également des combattants aujourd'hui étrangers depuis les indépendances, en grande partie. Voilà, à ce propos, j'évoque, pour terminer, la mémoire des anciens combattants de l'ex-Empire français. Un effort particulier doit être réalisé en ce sens. C'est en effet une impérieuse nécessité, dès lors que notre jeunesse, de plus en plus composée de Français issus de l'immigration, notamment africaine, doit être plus que jamais enracinée dans l'histoire de notre pays. Cela suppose néanmoins de mettre en valeur ce qui fut réussi et de cesser de dénigrer la France, comme on l'entend parfois, si l'on ne veut pas que cette jeunesse s'écarte d'un chemin positif. Cet effort est également nécessaire à l'heure où nos relations avec l'Afrique deviennent plus sensibles. C'est un doux euphémisme. En mettant l'accent sur ce point, je ne veux pas manquer de rappeler que notre fédération a été la cheville ouvrière durant plus de 10 années de la décristallisation des pensions des anciens combattants d'outre-mer. Nous en honorons et la représentation nationale peut s'en honorer. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci mon général. Je cède la parole à monsieur Laurent Attard-Bérou pour la Fédération nationale des anciens des missions extérieures et OPEX. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, donc les parlementaires, mais donc chers camarades, aujourd'hui, donc mon propos sera donc certes donc sur le texte qui nous est présenté, mais en même temps, je voudrais vous apporter donc un témoignage puisque il y a 3 jours, donc avec 27 de mes compagnons, nous étions donc au Liban. De fait, donc le Liban, on connaît donc tous donc la situation. Je voudrais souligner donc et donc honorer donc la présence donc de nos militaires, donc et le travail qu'ils font donc dans la zone donc de la Finul, et puis donc les 60 000 qui ont servi donc au Liban. Puisque nous avons cette année donc le 45e anniversaire de la création de la Finul,
Et nous avons le 40e anniversaire de l'attentat donc, de Draka. Vous vous rappelez tous donc, de cette photo donc, de la place donc, de la cour donc, des Invalides avec 58 cercueils. Ben, je pense que quand on la foule, donc, on peut aussi avoir ça donc, en tête. Et sachant que c'est un défilé donc, de corps donc, de jeunes Français donc, qui sont morts pour la patrie. Si nous sommes ici, ce n'est pas uniquement parce que nous sommes donc, des associations donc, ou donc, des forces de pression. Nous sommes donc ici, donc là, donc présents donc devant vous donc, et devant donc la République, au prix du sang versé pour la nation et du sacrifice consenti. Et on pourrait espérer justement que la nation donc, se rappelle et puis donc, nous traite donc, un petit peu mieux. Si nous sommes là, donc, c'est aussi parce que nos grands anciens de 14-18, de 39-45, d'Indochine et d'AFN, comme maintenant donc, notre génération, donc, savent donc, répondre à l'appel donc, de la France. Le Liban, donc, comme je vous disais, donc, nous rentrons donc, du Liban. Le Liban donc, a cette particularité donc, d'être morcelé, comme vous le savez, mais aussi de ne pas avoir fait donc, son travail donc, de mémoire et de réconciliation. Chose que nous avons fait, que la République donc, a fait, mais aussi que les associations sont en train donc, de faire. Puisque donc, l'éducation donc, repose aussi sur les associations de ceux qui ont su porter donc, les armes pour la France. Nous avons aujourd'hui donc, un budget. Je voudrais donc, vous remercier aussi donc, du travail que vous avez fait, et donc, du travail législatif et du travail donc, tout court que vous avez fait pour la nouvelle loi donc, de programmation donc, militaire. Merci donc, pour nos camarades qui auront donc, un peu plus donc, de matériel, qui auront donc, un peu plus de sécurité pour donc, défendre donc, la France et ses valeurs. Aujourd'hui, donc, il nous est présenté donc, un budget. Donc, on aurait pu penser donc, qu'il soit donc, un petit peu plus audacieux, notamment donc, sur donc, le point PMI. Donc, je souscris entièrement, donc, et nous souscrivons au sein de notre fédération, ça fait 38 ans qu'on travaille pour les opérations extérieures, entièrement donc, sur ce qui a été dit donc, sur le point PMI. Le point PMI, ce n'est pas uniquement donc, une revalorisation donc, par rapport à ce qui se passe et qui frappe la France donc, sur donc, l'inflation, mais c'est aussi donc, le recalcul donc, de ce point de PMI. Ne faites pas de nous des gens qui viennent tous les ans donc, quémander ce 1,5% ou 3,5%, parce qu'on se demande donc, où il va être sur notre pension, donc, après, à droite donc, de la virgule ou à gauche de la virgule. Franchement, donc, soyons donc, décents et travaillons correctement, donc justement, pour revaloriser ces pensions de militaires qui ont servi. L'ONAC, on parlait donc de l'inflation. Donc l'ONAC donc, a aussi bah, donc, subi donc, l'inflation via ses ressortissants. Bah, peut-être qu'on aurait pu augmenter donc, ses crédits donc, sociaux pour permettre donc, d'aider donc, ceux donc, de nos camarades qui ont fait donc, l'AFN et qui sont donc, en détresse, qui ne peuvent plus travailler. Et puis donc, ces militaires qui ont besoin donc, de reconversion, où l'ONAC donc, travaille sur la reconversion. Les maisons Athos, donc, je crois que le nouveau maillage donc, territorial, c'est donc, 13 régions. On aurait pu espérer avoir au moins une par région. Je n'oserais donc évoquer donc le SSA, donc le service donc de santé, et puis donc le maillage donc des hôpitaux militaires, que nos militaires aient donc une accessibilité donc aux soins donc dans des espaces militaires sur toute la France. Et puis je voudrais vous proposer donc de redéfinir la loi du 4 janvier 1993. Quand cette loi donc, a été donc, votée, c'était donc, pour le début donc, des opérations extérieures, comme donc, l'a rappelé donc, le général Martial, 15 mars 1969, premier mort donc, en opération extérieure. Sauf que depuis donc, lors, donc, nous avons donc, fait intégrer donc, les anciens donc, d'Afrique du Nord donc, qui avaient servi donc, de 62 donc, à 64 en tant qu'opération extérieure. Alors, ce qu'on vous demande, donc, c'est justement de redéfinir donc, ce texte pour permettre donc aux opérations extérieures de commencer donc en 62 jusqu'à nos jours, et que tous nos camarades qui ont fait donc d'autres opérations donc entre 62 et donc 69 puissent obtenir donc le TRN donc et la carte du combattant. C'est juste un travail donc législatif. Nous sommes soucieux aussi donc de garder donc notre place donc dans la République donc française, et notamment donc la parité, qui donc est donc le lien donc qu'ont voulu donc les anciens combattants donc de 14-18, que les associations soient associées à tous les travaux donc pour les anciens combattants, pour la défense, puisque être militaire, c'est pas uniquement donc c'est un état d'esprit, c'est pas uniquement un contrat.
Et être ancien combattant, c'est aussi avoir été donc militaire, au moins pour nous, jeune génération. Et quelque part, donc, il y a une porosité entre le monde combattant et le monde de la défense. Et sur le souvenir, comme donc l'a dit donc le contrôleur général Barcellini, quand on regarde un petit peu donc ce budget, il y a beaucoup donc de choses faites donc mémorielles pour les anniversaires. Il y a aussi donc pour donc l'éducation donc à la jeunesse donc la journée donc d'appel. Mais donc on a donc un budget donc assez faible sur donc la mémoire, surtout qu'à l'heure actuelle donc il y a quand même donc des gageures qui nous attendent. Merci beaucoup. Je cède la parole au colonel Christian Chatillon pour la ZAF. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, je suis le colonel Christian Chatillon, délégué national de la ZAF et mandaté à ce titre pour vous faire part des remarques de notre association reconnue d'intérêt général et créée il y a 40 ans pour soutenir l'armée française. Le contexte d'autrefois a bien changé, mais il est paradoxal de constater que nos armées qui ont maintenant une bonne image auprès de la société civile, ne parviennent pas à recruter suffisamment de personnel dont elle a besoin chaque année. Le rôle de la ZAF est de faire prendre conscience à nos concitoyens, et en particulier à notre jeunesse, que la liberté n'est pas un héritage définitivement acquis, mais impose une condition fondamentale pour le conserver, c'est l'esprit de défense de la nation. La ZAF rejoint à ce moment-là la préoccupation de l'EFAC, telle que l'a exprimé Dominique Lépine il y a quelques instants. Quelle information l'État dispense-t-il à notre jeunesse au sujet des armées et de l'esprit de défense? Si on segmente les jeunes générations concernées, on distingue deux niveaux. Le premier niveau concerne la jeunesse française dans son ensemble. Le second niveau concerne plus particulièrement les futures élites dirigeantes. Au premier niveau, donc, il existe deux activités à l'action 8 du programme 169 pour sensibiliser notre jeunesse à l'esprit de défense. Premièrement, la journée défense et citoyenneté, JDC, obligatoire jusqu'à l'âge de 25 ans, et qui a concerné cette année 802 567 participants pour un budget de 112,7 millions d'euros, ce qui a représenté un coût de 140,43 euros par individu. Je pense que ce chiffre incluait l'augmentation de 1,3 million d'euros qui a été soulignée tout à l'heure pour la nourriture. Or, on remarque que cette JDC a notamment pour objet la détection de la marginalisation et de l'illettrisme. On peut alors légitimement se demander s'il ne revient pas au ministère de l'Éducation nationale de financer cette JDC dont l'objet n'est pas vraiment totalement consacré aux armées ni à l'esprit de défense. Deuxièmement, l'autre activité de l'action 8 est le service militaire volontaire, le SMV, d'une durée d'un an, et qui a bénéficié en 2023 d'un budget de 52 millions d'euros. Or, dans les 600 métropolitains en activité, il n'y eut au total que 1230 stagiaires volontaires, ce qui a représenté un coût annuel par stagiaire de 42 000 euros, soit plus du double du coût de formation d'un élève des classes préparatoires aux grandes écoles. Ce qui suscite l'interrogation suivante: est-il concevable de conserver cette mesure hors de prix en l'état? D'autant que seuls 25 volontaires, je dis bien 25 volontaires, sur les 1230 ont rejoint les armées. En résumé, ni la JDC ni le SMV n'apportent de solution satisfaisante au développement de l'esprit de défense chez nos jeunes, notamment ce qui concerne le rapport coût-efficacité. Et ce n'est pas un service national universel pourtant destiné à les remplacer, mais en contour encore flou, qui va donner à cette jeunesse un esprit de défense au travers d'une connaissance réaliste et concrète des armées. Au second niveau, c'est-à-dire la formation de nos futures élites, la situation est bien plus préoccupante. Il s'agit de la connaissance de l'institution militaire par nos futurs hauts fonctionnaires, les décideurs politiques de demain, formés à l'École nationale d'administration, l'ENA, devenue depuis l'Institut national du service public, ou à d'autres grandes écoles relevant du pouvoir régalien, comme l'École nationale de la magistrature, l'Institut national des études territoriales, l'École des hautes études en santé publique, l'École nationale supérieure de police ou bien encore l'École nationale d'administration pénitentiaire. Le rapport Thiriez du 30 janvier 2020 proposait un tronc commun de formation à toutes ces écoles. Pour rappel, ce tronc commun d'une durée de 6 mois préconisait un service national de 6 semaines, décomposé comme suit: une préparation militaire supérieure de 3 semaines et un encadrement du service national universel de 3 semaines. Rien d'exceptionnel, certes, mais plus sérieux quand même
que la journée défense et citoyenneté. En fait, le rapport Thiriez a été soigneusement enterré. Enfin, et pour terminer, le 17e rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, daté de juillet 2023, préconise dans sa recommandation 11, et je cite, « inscrire dans la durée la sensibilisation des élèves de l'INSP, ex-ENA, aux questions de défense et au monde militaire ». Fin de citation. Rappelant ainsi une proposition identique formulée par le même HCECM dans son 13e rapport paru en 2017 et non suivi des faits. L'exemple venant d'en haut, comment s'étonner alors de la désaffection de la société civile, à commencer par ses futures élites, pour une institution militaire dont elle ignore tout ? La ZAF tient à dénoncer fermement ce manquement grave du pouvoir régalien. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mon colonel. Et nous allons terminer donc ces prises de parole avec M. Gérard Ruffier-Monnet. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci aussi à Madame la députée Bazia Malgras de nous avoir conviés à une réunion préparatoire et qui a été très bénéfique. Merci. Je vous remercie de me donner la parole donc, au nom de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Je me présente, donc je suis le vice-président délégué national de l'Union fédérale. Je suis savoyard et fier de l'être. Et je vais vous aborder un sujet qui a été un petit peu déjà auparavant un peu survolé, mais je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Donc nous souhaitons intervenir auprès de vous sur le sujet des maisons Athos, dispositif de réhabilitation psychosociale dédié à l'accompagnement des militaires blessés psychiques. Tout d'abord, nous souhaitons saluer la mise en œuvre par le ministère des Armées et son secrétariat d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire de ces maisons d'accueil, accessibles gratuitement à tous les militaires atteints de troubles psychotraumatiques, qu'ils soient en activité ou sortis de l'institution. En phase expérimentale en 2021 et 2022 à Toulon et Cambes en Gironde, le dispositif a été pérenne à compter de janvier 2023 avec l'intégration du site de Brison-Saint-Innocent proche d'Aix-les-Bains. Une quatrième maison a été inaugurée en avril 2023 dans le Morbihan. Nous avons pu nous rendre dans une de ces maisons et rencontrer son directeur, une partie de l'encadrement et quelques membres. C'est ainsi que l'on nomme les blessés en séjour de reconstruction et de réhabilitation. Les échanges ont été enrichissants et nous avons ainsi pu prendre connaissance du mode de fonctionnement, de l'environnement et des moyens mis en place dans cet établissement. Des besoins et pistes d'amélioration ont été constatés. Néanmoins, il en est ressorti une satisfaction quant aux moyens matériels mis à leur disposition. Les insuffisances résident principalement dans la carence des moyens humains dont ils disposent. Pour exemple, une seule assistante sociale rend visite aux blessés, et ceci une seule fois par semaine. Malgré le professionnalisme et la bonne volonté de celle-ci, sa présence limitée est assurément insuffisante pour une efficacité optimum au service des membres de cette maison. Les animateurs et encadrants d'ateliers sont également un nombre insuffisant pour assurer leur mission d'accompagnement et de reconstruction. Un recrutement urgent de professionnels dans ces catégories de personnel serait bénéfique pour les bénéficiaires de cette structure. Un deuxième point tout aussi primordial réside, et je vous prie de bien vouloir me pardonner de cette comparaison, dans le parcours du combattant imposé aux blessés avant d'être reconnu en tant que tel et de pouvoir être accueilli dans le dispositif Athos. En effet, le blessé militaire d'active ou sorti de l'institution après une ou plusieurs OPEX doit au préalable consulter un médecin militaire psychologue qui va déterminer le degré de son syndrome de stress post-traumatique de guerre et va donner son accord avant d'entamer un parcours de réhabilitation psychosociale. La suite de l'accord donné par le médecin aboutit à un passage devant une commission qui se réunit de façon quadrimestrielle et qui va déboucher ou pas sur une autorisation à être reçu dans une maison d'accueil. Depuis la demande initiale du blessé, il se sera écoulé une bonne année d'attente et de doute quant à la poursuite de sa démarche volontaire. Le manque de médecins et psychologues au sein de l'institution militaire amène inévitablement à un manque de réactivité de celle-ci. Le système de soins est ainsi fragilisé par ce manque de spécialistes. Il va de soi que ce trop long processus n'est pas de manière à assurer une efficacité suffisante pour une bonne et rapide prise en charge de l'intéressé. Malheureusement, trop souvent,
Le découragement le gagne et il abandonne son projet de reconstruction. Également, le manque de communication vis-à-vis du grand public, notamment des hôpitaux civils, qui ignorent pour beaucoup l'existence même de ce dispositif, mais aussi des militaires eux-mêmes sortis de l'institution, amène un sentiment d'abandon d'un nombre significatif de blessés concernés. Cela même que l'on qualifiera de perdu de vue, car livrés à eux-mêmes, relâchés dans la nature, sans assistance ni secours. Les mutuelles de santé dédiées au personnel militaire ou sorties de l'institution semblent aussi ne pas remplir de façon satisfaisante leur mission d'accompagnement vis-à-vis de leurs adhérents, parfois en rechignant sur des demandes de prise en charge financière. Je terminerai mon propos par une demande essentielle formulée par l'encadrement et les membres intéressés du dispositif que nous avons rencontré et qui réside dans le principe d'inverser la preuve de la blessure psychique. C'est-à-dire que ce ne doit plus être aux blessés de justifier leurs besoins en soins et accompagnement, mais à l'institution à mettre en place les mesures d'anticipation sur la nécessité impérative de ceux-ci. Le ressenti d'une majorité des personnes rencontrées estime qu'un manque de considération est apporté dans la reconnaissance de leurs blessures. Attention de ne pas les considérer comme des malades. Le blessé psychique se retrouve ainsi isolé du blessé physique, même si à ses yeux, les deux catégories ne doivent être mises ni en concurrence ni en rivalité. L'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre encourage fortement la création de nouvelles maisons Athos sur le territoire et salue également la mise en place du plan d'accompagnement des blessés et leurs familles présenté par notre secrétaire d'État, Mme Patricia Mirallès, en mai dernier. À ce sujet, l'annonce de 5,4 millions d'euros pour l'ouverture de deux nouvelles, qui devraient amener à l'ouverture de deux nouvelles maisons, Athos nous réjouit. Je vous remercie d'avoir prêté attention à mes propos. Merci beaucoup. Alors, je remercie Madame et Messieurs pour la richesse et la complémentarité de vos interventions. Je veux simplement souligner que j'ai entendu, je suis toujours vigilant sur les mots, le mot de ridicule pour l'augmentation. Je crois qu'une augmentation n'est jamais ridicule, surtout dans le contexte actuel des finances publiques, mais au-delà parce que la solidarité nationale n'est jamais ridicule en soi. Je veux aussi, avant de céder la parole à chacun de mes collègues, redire leur engagement, quel que soit leur groupe politique, sur les cérémonies, sur les événements de mémoire partout sur le territoire. On a parfois tendance à l'oublier, mais ça n'a rien d'évident. Il y a d'autres pays dans le monde qui n'ont pas cette culture de la mémoire ou dont les parlementaires ne sont pas aussi présents. Et je voulais le redire, c'est vrai dans cette commission et au-delà, mais quand même particulièrement dans cette commission de la Défense nationale. Ce que je vous propose, chers collègues, pour que, étant donné le format de cette audition et l'heure, je vous propose de prendre l'ensemble des interventions, des demandes d'intervention, et ensuite d'avoir le retour de nos représentants du monde combattant, en commençant par les orateurs de groupe, avec des interventions de 2 minutes. Et je cède la parole à Patricia Lemoine pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, pour l'ensemble de vos interventions très précieuses. Quelle que soit l'époque, le théâtre d'opération ou l'unité d'appartenance, les anciens combattants partagent le fait d'avoir engagé leur vie afin de défendre notre pays et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous sont si chères. Il n'est jamais vain de rappeler à quel point la nation leur est reconnaissante pour le courage et l'héroïsme dont ils ont fait preuve, et c'est bien évidemment au nom de notre groupe Renaissance que je le fais ce matin. Le projet de loi de finances pour 2024 s'attache à exprimer pleinement notre solidarité envers le monde combattant. En 2024, les crédits alloués à la mission Anciens combattants sont ainsi maintenus à hauteur de 1,9 milliard d'euros, permettant de financer un certain nombre d'avancées, malgré une démographie en baisse du nombre de bénéficiaires. Ce budget défend le pouvoir d'achat des anciens combattants en répercutant exceptionnellement la hausse du point d'indice de la fonction publique de 1,5% sur la valeur de la pension militaire d'invalidité avec un an d'avance. J'ai bien évidemment entendu vos requêtes légitimes à ce sujet et vous pouvez compter sur nous pour les relayer. Il améliore également la prise en charge et l'accompagnement des blessés en consacrant 5 millions d'euros supplémentaires à la mise en œuvre du plan blessé 2023-2027. Et je veux saluer, comme vous l'avez fait à plusieurs reprises, l'annonce de l'ouverture des deux nouvelles maisons Athos l'an prochain, qui confirme notre ambition de proposer 10 maisons couvrant l'intégralité du territoire national d'ici 2030.
Je citerai également le financement des prothèses de sport rendues possibles en 2024 et la concrétisation du nouveau droit à la réparation intégrale dont nous avions acté le principe cet été en adoptant la loi de programmation militaire. Je rappellerai enfin que ce budget contribue pleinement à vos activités par l'octroi de subventions et de financements à des projets mémoriels, la participation à l'organisation des cérémonies et à l'entretien des lieux mémoriels. Il vous accompagne afin de faire vivre le devoir de mémoire partout sur notre territoire et des moyens conséquents supplémentaires ont été alloués pour les cérémonies célébrant les 80 ans des débarquements l'année prochaine. Merci de conclure. J'ai cru comprendre que ce n'est pas suffisant, mais nous serons attentifs et la ministre l'est tout autant. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je cède la parole à Franck Giletti pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents d'associations, responsables d'associations. Merci, un grand merci pour votre présence. Vous êtes des passeurs de mémoire et œuvrez auprès des nouvelles générations afin que le sacrifice de leurs aînés ne soit pas oublié et soyez véritablement remerciés au nom de notre groupe. Que ce soit dans cette commission ou dans nos circonscriptions respectives, rencontrer et pouvoir échanger avec vous constitue toujours pour nous, parlementaires, une chance que nous aimerions partager plus fréquemment avec l'ensemble des Français. Bien sûr, on vous attend, plutôt ici. Ok. On vous attend dans les écoles, on vous rencontre dans les cérémonies patriotiques, mais cela n'est pas toujours suffisant pour faire connaître votre rôle. Or, le relais que vous constituez, particulièrement à l'heure où notre société fait face à ce que l'on appelle une crise de sens, est crucial. Vous êtes une voix dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour les associations d'anciens combattants présentes dans ma circonscription, dans le Var, que je remercie pour les éléments de compréhension que leurs représentants nous fournissent régulièrement, aussi bien à mes équipes qu'à mon équipe. Pour votre engagement passé actuel, corollaire de votre amour pour la France et de votre patriotisme, nous vous devons la reconnaissance. Et cela passe aussi par les moyens matériels qui vous sont dus, ainsi qu'à vos conjointes et conjoints. C'est pourquoi notre groupe, le Rassemblement National, a déposé deux propositions de loi. L'une visant à abaisser à 65 ans l'âge ouvrant droit à une demi-part de quotient familial pour les anciens combattants et veuves d'anciens combattants, et l'autre visant à rendre réversible la retraite du combattant sur le conjoint survivant. De même, j'évoquais moi-même devant Madame la ministre Patricia Mirallès la semaine dernière la question du montant alloué à l'allocation de reconnaissance du combattant versé à hauteur de 812,76 € au 1er janvier 2023, soit 67,73 € mensuels. Une bien faible reconnaissance, il faut l'admettre. Nos propositions et inquiétudes se basent bien souvent sur le retour que nous obtenons dans les communes de nos circonscriptions. J'avais des questions par rapport à votre vision sur le PLF, mais vous nous avez largement éclairé et force est de constater que la nation n'est pas forcément à la hauteur de vos engagements passés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Martine Etienne pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous poser mes questions, je tenais à vous rendre hommage et à rendre hommage à votre action. Non seulement pour votre présence et vos gestions des commémorations républicaines, mais aussi pour le travail que vous effectuez au quotidien, auprès de la population et de notre jeunesse, si essentielle en cette période. Le devoir de mémoire nous incombe et vous êtes les acteurs de sa préservation. En parlant de notre jeunesse, son implication est essentielle dans la préservation du devoir de mémoire et dans sa transmission. Pourtant, si l'implication de la jeunesse passe par l'école, les collèges et nos collectivités, les financements ne suivent pas. Par exemple, les départements et les communes sont sous-financés et peinent aujourd'hui à mettre en œuvre des actions de sensibilisation, notamment aux abords des commémorations, ou ne peuvent plus, par manque de profs, de temps et de moyens, assurer des heures d'éducation civique. Selon vous, comment, avec ce budget de plus en plus restreint et avec le peu de financement des collectivités aujourd'hui, est-il possible d'assurer un véritable travail de transmission de la mémoire à la jeunesse et de faire perdurer ainsi le tissu des associations d'anciens combattants ? Ensuite, sur le projet de loi de finances, le budget dédié à la mémoire et aux anciens combattants reste globalement stable, mais il augmente moins que l'inflation. Ce manque d'anticipation nous interroge, notamment sur l'application du plan blessé présenté par Patricia Mirallès en mai dernier. Le PLF prévoit, par exemple, l'ouverture de deux nouvelles maisons à Tos, mais aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude quant à leur emplacement sur le territoire ou quant à leur date exacte de livraison. Par ailleurs, la mise en œuvre du plan blessé, censé simplifier les démarches pour obtenir réparation, pose encore question. Nous ne savons pas, par exemple,
par quel laps de temps ça prendra. Alors que pouvez-vous nous en dire? Avez-vous été consulté dans la construction de ce plan blessé et serez-vous impliqué dans sa mise en œuvre? Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole à Valérie Bazin-Malgras, notre rapporteure pour avis de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame et Messieurs les représentants du G12 combattant, au nom de mon groupe Les Républicains, je vous remercie pour votre présence et pour votre action en faveur du monde de combattants et pour vos propos liminaires. Permettez-moi de saluer plus particulièrement Serge Offredoux, habitant de ma circonscription, fervent défenseur du monde combattant dans l'Aube et au niveau national. Je souhaite tout d'abord réaffirmer devant vous l'honneur qui est le mien d'être votre rapporteur au sein de cette commission, qui, ne l'oublions pas, est tout autant la commission des combattants d'aujourd'hui que celle des combattants d'hier. Si j'ai déjà eu la possibilité d'échanger longuement avec vous lors de nos auditions au mois de septembre, j'ai bien entendu vos réactions face à l'annonce faite par la ministre, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, la semaine dernière devant cette commission, de revaloriser de manière anticipée le point de PMI de 1,5% au 1er janvier 2024. J'ai bien compris que c'est insuffisant, mais j'ai bien compris également que vous soulignez l'effort qu'elle a fait. Vous en attendez davantage et c'est bien normal. Vous m'avez fait part de votre préoccupation face à l'augmentation de l'inflation. Évidemment, lors des débats, nous ne manquerons pas de porter votre voix afin de demander une revalorisation supplémentaire plus conséquente et plus en accord avec l'inflation record actuelle. Vous pouvez compter sur nous. Par ailleurs, j'aurais aimé que vous puissiez revenir sur les enjeux relatifs à la pérennisation de vos associations et à l'intégration de la quatrième génération du feu. La création d'un statut de vétéran, parfois évoqué, vous apparaîtrait-elle comme constituer une piste intéressante pour renforcer la reconnaissance envers les nouveaux anciens combattants? Et pour finir, j'ai bien noté la difficulté d'obtenir des reçus fiscaux lorsque certaines personnes souscrivent à vos associations. Nous y apporterons une attention toute particulière. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet, que je sais particulièrement attaché aux anniversaires à venir. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, au nom du groupe démocrate, je voudrais vous remercier, vous et tous vos membres, vous les patriotes bénévoles de la mémoire et de la transmission, il faut le rappeler. J'aurai une question et une réflexion. Ma première question sera, 5 ans après la FDJ, la privatisation de la FDJ, quelles sont les conséquences financières pour l'UBFT? Est-ce que les attentes ont été honorées face aux risques qu'il y avait à l'époque, énoncés même ici? Et ma réflexion, en tant que député du Calvados, c'est précisément de Sword Beach, qui a connu le 6 juin, je voudrais revenir sur le 80e anniversaire, où malheureusement cette année, c'est la première fois qu'on n'aura plus aucun Français ayant perdu Léon Gauthier et saluons sa mémoire aujourd'hui au mois de juillet dernier. Mais pour autant, on aura encore quelques vétérans anglais du 9e bataillon qui ont débarqué ce jour-là sur les plages de Sword. Vous avez évoqué la transmission, les jeunes, la mémoire, la transmission, la présence. Se pose un problème, c'est que le 6 juin cette année sera un jeudi. Et un jeudi, il y a cours, il y a école. Alors, quelles sont vos réflexions là-dessus pour faire participer ces écoles un jeudi où il y a un temps scolaire? C'est là tout le sujet, si on veut véritablement transmettre à ces jeunes, pas une histoire lue dans un livre, mais une histoire vécue sur le terrain, sur un moment essentiel, où ils pourront raconter non pas une histoire, mais un souvenir. Et c'est comme ça là que l'on perdure l'effort de mémoire. Donc je voudrais avoir votre réflexion là-dessus. Et d'une manière générale, sur la participation aux cérémonies patriotiques fériées, elles sont deux, le 11 novembre et le 8 mai, comment est-ce qu'on fait participer plus de jeunes, mais surtout plus de Français, tout simplement? Et comment est-ce qu'on doit revoir cela? Alors, j'ai une réflexion sur le 8 mai bien particulier, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir le 8 mai et le laisser férié comme il est aujourd'hui? Est-ce que ça a encore du sens, sachant que les Français préfèrent partir en vacances, en week-end ou autre chose, plutôt que de venir aux cérémonies? Est-ce qu'on ne devrait pas repenser autrement ce 8 mai pour l'inclure obligatoirement dans une présence scolaire à ces cérémonies dans les lieux où les établissements scolaires sont à 11h du matin le 8 mai? Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir les choses ensemble avant que l'on ne pleure plus les morts pour la France, mais on pleure celles et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui aux cérémonies patriotiques? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Anna Pic. Oui, merci, monsieur le vice-président. Merci,
Madame et Messieurs, pour cette intervention. Et d'ailleurs, je vais le redire, comme je l'ai pu le dire l'année dernière, vous avez été extrêmement précis sur vos besoins, sur effectivement ce qui limitera nos questions nécessairement, puisque vous avez dit beaucoup de choses que nous cherchions à savoir. Mais je n'ai que le regret, encore une fois, et comme l'année dernière, que vous ne soyez pas passé devant nous avant l'audition de Madame la Ministre, qui nous aurait permis d'interroger celle-ci sur tous les points que vous avez évoqués. Et je crois qu'il est temps de revoir l'ordre de nos auditions pour le PLF. Et je ne désespère pas que d'ici la fin du mandat, nous le fassions de manière un peu claire. Donc évidemment, vous avez parlé beaucoup de ce point du PMI et de la revalorisation et de votre insatisfaction. Et je me disais qu'éventuellement, vous pourriez peut-être nous repréciser, d'après vous, quel est le rattrapage exact à faire avec ces années d'inflation ? Comment et quelle augmentation et sur quel lissage nous pourrions parvenir à quelque chose qui pourrait permettre de limiter effectivement l'appauvrissement des pensionnés. Et pour aborder d'autres points, puisque vous en avez abordé beaucoup, on reparlait du lien qu'il pouvait y avoir entre et de la mémoire. Moi, je m'interrogeais sur vous, de quelle vision vous avez et quelle façon, finalement, vous souhaitez collectivement renforcer vos liens avec la jeunesse, l'éducation nationale, mais pas que, peut-être aussi l'éducation populaire, au regard du peu d'appréciation que peut avoir eu le projet SNU. Je crois qu'il est temps de remettre les choses sur la table de manière un peu plus cadrée que ce qu'on a pu connaître jusqu'à précédemment. Et puis, comment avancer sur des actions qui viseraient à la reconnaissance de celles et ceux qui ont été envoyés sur les théâtres d'opérations du XXe siècle, dont on parle quand même assez peu, et de ces 20 dernières années. Nous faisons beaucoup de commémorations, mais c'est vrai que nous avons des difficultés à évoquer les théâtres des opérations de ce dernier siècle, en fait. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizons et Apparentés, la parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Messieurs. Je voudrais ici redire le profond attachement du groupe Horizons et Apparentés au monde combattant et à l'ensemble des associations qui le représentent. En 2021, la Commission de la Défense vous avait confié à mon collègue Jean-Philippe Ardouin et à moi-même une mission pour identifier des solutions qui permettraient d'assurer la pérennité du monde associatif combattant, profondément bouleversé par l'attrition naturelle de ses ressortissants. Si nous voulons que le devoir de mémoire et sa transmission perdurent, il est essentiel que vos associations continuent d'œuvrer dans ce sens, parce que nous sommes évidemment tous attachés à ce maillage territorial. Lors des auditions que nous avions menées, les responsables d'associations faisaient le constat d'une faible présence des nouveaux anciens combattants parmi leurs adhérents. Et le défi du monde associatif est donc bien d'intégrer en son sein la quatrième génération du feu. Si l'on peut noter une augmentation de l'attribution de par l'ONAC VG de cartes de combattants aux soldats de la quatrième génération du feu depuis 2018, peu s'engage, il faut le dire, dans le monde associatif. Pour que ces réseaux associatifs perdurent, nous avions notamment préconisé que des rapprochements puissent s'opérer entre associations fragilisées par le déclin démographique et que l'intégration des nouveaux anciens combattants puisse se faire en prenant notamment en compte leurs besoins spécifiques. Nous avions également préconisé la mise en place d'accords entre l'armée et le monde associatif permettant d'améliorer l'information des militaires d'active et plus globalement de créer du lien entre les différentes générations combattantes. Comment percevez-vous la pérennité de vos associations, Madame et Messieurs ? Comment imaginez-vous de mieux intégrer la quatrième génération du feu ? Avez-vous pris des initiatives en la matière ou allez-vous en prendre ? Et enfin, envisagez-vous un regroupement entre certaines de vos associations ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Fabien Roussel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis du monde combattant, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, qu'il faut être capable d'entendre les mots employés par nos associations d'anciens combattants. Et quand ils emploient les mots d'aumône et qu'ils qualifient de ridicule l'augmentation, il faut savoir l'entendre. Et j'aime à rappeler que celles et ceux qui sont envoyés sur les théâtres de guerre et dans l'histoire de notre pays, jusqu'à maintenant, dans leur très grande majorité, font partie des classes populaires, ouvriers, paysans, métallos,
Ce sont eux qui sont allés défendre la patrie, qui ont payé dans leur chair des décisions politiques qu'ils ont assumées avec ferveur. Et c'est à ce titre que dans notre histoire, nous avons toujours qualifié la nécessité de reconnaître ce qu'ils ont fait, et à ce titre que la nation avait une dette envers eux. Alors oui, nos anciens combattants aujourd'hui subissent une inflation qui est énorme, comme beaucoup de nos compatriotes, estimée à 7% en moyenne. Je sais que pour ceux qui vivent dans la ruralité, ceux qui vivent dans des HLM, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour se déplacer, cette inflation est bien au-delà de ces 7%. Elle peut représenter 15%, 20%, parfois beaucoup plus quand il y a des rappels de charges à payer sur l'électricité notamment. Et ce sont des sommes très importantes à payer. Alors, effectivement, quand les pensions ou les salaires de nos fonctionnaires augmentent de quelques euros, ça paraît ridicule et c'est parfois même pris avec violence. Il faut entendre cela, et c'est la raison pour laquelle nous défendrons des amendements, des propositions pour que les pensions de nos anciens combattants puissent évoluer au rythme de l'inflation au moins et s'aligner sur celle de nos fonctionnaires. Nous déposerons des amendements en ce sens. Et donc ma question ne s'adresse pas aux associations d'anciens combattants, mais à mes collègues de la majorité, puisque ce sont eux qui auront la responsabilité de voter les amendements qui inscriront dans le PLF la juste revalorisation des pensions de nos anciens combattants. Merci, chers collègues. Alors, je vais passer aux expressions individuelles pour une minute, en commençant par Madame Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Généraux, Madame et Messieurs en vos titres. Merci pour toutes ces interventions très éclairantes. Au-delà de la régularisation de cette année, je souhaiterais recueillir vos avis et positions concernant les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants, aux veuves, veuves d'anciens combattants âgés de plus de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Ces avantages, comme vous le savez, se manifestent de différentes manières, notamment par une majoration du nombre de parts, l'exonération de certaines retraites perçues et la déductibilité de certaines charges dans la déclaration des revenus. Je souhaiterais savoir, comment évaluez-vous les dispositions actuelles et estimez-vous qu'elles répondent de manière adéquate aux besoins et aux attentes des anciens combattants ? Y a-t-il des améliorations ou des ajustements que vous souhaiteriez voir mis en œuvre pour rendre ce dispositif plus efficace ou plus équitable ? Merci. Merci beaucoup. La parole est à José González. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est chargé d'apporter soutien et considération, vous l'avez dit, mon général, à tous nos anciens combattants, y compris l'Arki, que parfois, en un temps, nous avions lâchement abandonné. Merci aussi à vous de transmettre le devoir de mémoire et de participer au nécessaire lien armée-nation. Si vous n'avez plus à prouver votre utilité, il va falloir vous battre pour assurer votre pérennité, bien entendu. Vous le savez, nous le savons, nous subissons une baisse régulière et tout à fait naturelle des effectifs, des adhérents. Vous êtes à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions en ce moment. Vous serez en 2037, vous serez en 2033 en dessous de 1 million et stabilisez le nombre de vos adhérents à 500 000 à partir de 2045. Vous faites face également à un décalage entre la baisse de vos moyens financiers et vos ambitions tout à fait légitimes de progresser. Nos travaux pendant la LPM Merci ont permis... Merci de conclure, chers collègues. Oui. Donc, est-ce que nos travaux ont permis le PLF vous accorder en conséquence des subsides supplémentaires ? Est-ce que cette augmentation permettra d'une part d'assurer la survie de votre office ? Et dans le long terme, quelles sont les missions prioritaires de l'office cette année ? Désolé d'avoir dépassé le temps. Merci. Je cède la parole à Mélanie Thomin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence ce matin. Vous êtes précieux dans nos réflexions concernant le débat autour du budget 2024. L'un d'entre vous a dit tout à l'heure que les Français méconnaissent les conditions de vie de nos militaires. Et je partage les propos qui ont été portés par le collègue Roussel tout à l'heure concernant le pouvoir d'achat de nos anciens combattants. Et il y a une vigilance, celle du droit à la réparation qui doit être respectée dans nos réflexions collectives. Deux questions.
La première concerne les vétérans des essais nucléaires. À l'heure actuelle, les vétérans des essais nucléaires en Polynésie française et au Sahara, qui souffrent de maladies radio-induites, doivent passer par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour être indemnisés, au prix du sacrifice consenti, celui d'avoir connu le pire de tous les feux. Que pensez-vous de l'opportunité de l'ouverture du statut de blessé militaire aux vétérans des essais nucléaires ? Et je crois que je ne vais pas pouvoir poser la deuxième question, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Alexandra Martin. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les représentants du monde combattant. Comme vous l'avez tous dit et comme on le dit tous, il y a effectivement un lien qui est énormément distendu entre l'esprit de défense et la nation, et particulièrement chez les jeunes. Et on le voit aujourd'hui, tous les jours, on constate les conséquences. Il y a urgence à recoudre ce lien. J'ai eu la chance et l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Et non, Monsieur Longuet, votre participation à recoudre ce lien n'est pas modeste, il est prépondérant. Et force est de constater que dans le budget, il n'y a pas de signal fort en ce sens. Et il n'y a qu'un lycéen sur 10 qui un jour a été en contact avec une action de sensibilisation à la mémoire. Et les tergiversations du gouvernement autour du SNU ne vont pas renforcer ce chiffre. Je propose depuis longtemps la mise en place d'un parcours citoyen universel qui remplacerait le SNU dans le cadre du collège et pour renforcer les cours d'éducation morale et civique dans lequel vous pourriez, vous, association, intervenir, mais aussi des professionnels, pompiers militaires, pour faire de nos citoyens des citoyens éclairés et mobilisés autour de la nation. Merci de votre avis sur ce sujet. Merci beaucoup, Époute. Pour terminer, la parole est à Michael Taverne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, mes chers collègues. Nous le savons, les associations d'anciens combattants jouent un rôle majeur non seulement pour perpétuer la mémoire combattante de ceux qui se sont battus pour notre pays, mais aussi pour le maintien d'un lien social, notamment en zone rurale. Toutefois, la vie est ainsi faite qu'avec la disparition de ses membres, nombre de ces associations disparaissent. Ce qui doit tous nous alerter. En effet, une association d'anciens combattants qui disparaît, c'est tout autant un patrimoine immatériel que constituent les souvenirs et les mémoires qu'un patrimoine matériel, notamment les drapeaux qui sont menacés. Ainsi, je souhaiterais connaître votre sentiment à ce sujet et surtout connaître vos suggestions, vos propositions afin d'assurer la perpétuation et la préservation de ce patrimoine. Soutien de certaines initiatives par les pouvoirs publics, développement de partenariats entre les associations et les écoles, meilleure protection des drapeaux, etc. Quelles seraient, selon vous, les mesures efficaces et pertinentes ? Merci. Merci beaucoup. Et donc, c'était une fausse annonce. Nous avons encore une oratrice. Je cède la parole à Madame Gisèle Lelouis. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Le temps faisant son œuvre, les anciens combattants sont de moins en moins nombreux chaque année. Je le vois à Marseille, sur mon secteur, lors des commémorations du 8 mai 45 et du 11 novembre 1918. Il y a de moins en moins de monde et dans certains quartiers, il n'y a plus du tout de commémoration, faute d'anciens combattants. Comment comptez-vous faire pour perpétuer la mémoire et le sacrifice de nos anciens pour la patrie ? Comptez-vous y associer le SNU ou des jeunes anciens ayant effectué des OPEX ? Sur Marseille, une classe défense a été ouverte au collège Mallarmé dans ma circonscription et une prochaine ouverture de classe porte-drapeau, puisque nous voterons vendredi prochain au conseil municipal l'ouverture de cette classe. J'espère que d'autres ouvertures se feront sur tout le territoire et nous devons, nous élus, y travailler. Je vous remercie pour le travail de mémoire et le soutien de nos anciens combattants que vous faites. Merci, chers collègues. Alors, Madame et Messieurs les représentants du monde combattant, nous avons 15 minutes, donc je propose que ceux d'entre vous qui souhaitent réagir, nous pouvons reprendre l'ordre initial, puissent le faire en essayant de vous limiter à 1 minute 30 par orateur. Je peux prendre le plan blessé et j'en profite pour vous poser une question que j'ai posée à Madame Trastour-Risner il y a quelques années, Madame Keder, que j'ai posée au ministre de la Défense lors d'une réunion à Baleur. Qu'est-ce qu'on entend par blessé ? Le blessé du Mali qui rentre à l'hôpital Percy, ça c'est un blessé, c'est clair. Georges Morin, 60 ans de fauteuil roulant, qui a encore des soins, est-ce qu'il est considéré comme un blessé et est-ce qu'il est pris en compte dans le plan blessé ? Voilà, ça c'est une question. Une remarque concernant les blessés dans l'histoire de l'armée française, je pense qu'on n'en a jamais tant fait pour les blessés que maintenant.
Bon, c'est lié à l'évolution de la société, à la valeur de la main-d'œuvre. Autrefois, les blessés étaient des conscrits, sortaient de l'hôpital, ils rentraient dans leur village, ils n'avaient que les associations pour se raccrocher à quelque chose. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Alors, sur le plan blessé, exposé au mois de mai là, par Madame Mirales, bon, c'est pas un produit qui est tombé du ciel. Hein. Entre 2017 et 2022, Madame Darrieussecq avait entretenu des groupes de travail pendant 5 ans. Il y a eu des groupes de travail qui ont posé un certain nombre de problèmes qu'on retrouve dans le plan blessé et qui ont le mérite d'être concentré d'être synthétisé dans un seul document. Il y a beaucoup de mesures qui relèvent du bon sens, qui n'est pas toujours la caractéristique de notre administration. Ceci dit, tous les fonctionnaires sont bienveillants vis-à-vis des blessés, mais il y a des fois des incompréhensions ou des blocages ou des vieilles habitudes. Alors, concernant la participation des associations, il y a eu 2 réunions que je pourrais qualifier de grand-messe à Ballard sur le groupe de travail numéro 4 qui devait préparer le plan blessé, dont une présidée par le ministre. Alors, quand le ministre est présent dans une réunion, il n'y a pas vraiment de production de la part des fonctionnaires qui sont autour de lui, hein, qui sont relativement silencieux. Et les gens dans les invités n'ont pas toujours les éléments pour répondre aux interrogations du ministre. Il y a eu une autre réunion, une deuxième réunion à Ballard, pareil, qui réunissait à peu près 50 personnes autour de la table. On ne peut pas appeler ça un groupe de travail. Mais les gens qui avaient quelque chose à dire ont eu une plateforme pour le dire. D'accord. Et il y a eu une réunion de suivi du plan blessé début juillet qui s'est passée en 2 temps. Dans un premier temps, la ministre a réuni les acteurs fonctionnaires et dans un deuxième temps, dans les jardins de l'hôtel de Brienne, les associations ont pu s'exprimer. Donc, on n'est pas dans un paritarisme complet qui caractérisait le ministère des anciens combattants avant 2000, mais on ne peut pas dire qu'on a été écarté. Ceci dit, il y a beaucoup d'associations qui ne connaissent pas les problèmes des blessés contemporains, bon, qui n'ont pas grand-chose à dire. Merci, mon général, pour ces éléments. Général Peter, vous voulez... Et très rapidement, sur 2 points. Le deuxième, le général Languet pourra le compléter. Pardon. Oui, deux points. Le deuxième, le général Languet le complétera. Tout à l'heure, vous avez posé une question concernant la FDJ. Alors, je rappelle que les gueules cassées, l'UBFT, plus communément appelée les gueules cassées, et la Fédération nationale André Maginot sont actionnaires historiques de la Française des Jeux. Nous avons eu une crainte importante il y a 3-4 ans au moment de la privatisation de la Française des Jeux et nous sommes intervenus de concert pour éviter que ce soit un fonds étranger qui mette la main sur la FDJ et qui ensuite nous coupe un petit peu les vivres. Tout à l'heure, j'ai énuméré un petit peu toutes les actions que nous faisions à Maginot, mais que font également les gueules cassées. Bien évidemment, ces actions, nous n'avons aucune subvention de l'État et ces actions sont subventionnées avec les dividendes que nous recevons de la Française des Jeux. Donc, pour nous, heureusement, on n'a pas de problème d'argent pour la suite. Pour l'avenir de la 4e génération OPEX et pour la prise en compte de cette OPEX, de cette 4e génération, sachez que la Fédération nationale de Maginot est intergénérationnelle. Hein, et qu'elle intègre complètement la 4e génération du feu, puisque la FNAMOPEX qui a été prise tout le long par M. Attard-Bérou, voire l'ANOPEX par le président Martial, le général Martial, sont affiliés à la Fédération nationale André Maginot, et donc on les aide par des subventions que nous reversions, encore une fois, à partir de la Française des Jeux. Contrairement à d'autres associations qui ont vocation à disparaître parce qu'elles sont attachées à un conflit, la Fédération nationale André Maginot, elle, continue à grossir. Elle n'a pas de problème financier, parce que, bon, nous faisons attention à tout ça. Et nous augmentons le nombre chaque année pour la simple et bonne raison que nous affilions les amicales régimentaires. Hein, chaque régiment a une amicale. Dans cette amicale, il y a les anciens, mais il y a surtout les jeunes d'actifs qui sont dans ces amicales. Et nous intégrons de plus en plus, nous affilions de plus en plus ces amicales régimentaires. Ce qui veut dire que Maginot grossit en nombre et en même temps rajeunit ses effectifs par l'intermédiaire de ces amicales régimentaires.
Pour les jeunes, ben, nous faisons un effort, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les classes de défense, les cadets de la défense, le SNU, les rallyes citoyens, etc., etc. Et compte tenu de l'importance que cela revêt, nous continuerons à apporter notre pierre à l'édifice et nous continuerons à renforcer l'effort financier que nous consentons vis-à-vis des jeunes. Le général Longuet pourra compléter, je pense, sur le point des relations avec les jeunes. Alors, général Longuet, vous souhaitez compléter ? Je peux. L'UNC n'est pas actionnaire, malheureusement, de l'UBFT, de Français des Jeux. Bon, pour répondre au député Favennec-Bécaud, là, qui a commis un rapport très intéressant, la quatrième génération du feu, et je vais rebondir sur ce que dit René Péter. Au fond, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des professionnels, en premier temps, et ce sont aujourd'hui, en tant que professionnels, des militaires qui sont extrêmement bien protégés par l'administration, n'est-ce pas ? Par l'institution militaire. Ce qui n'était pas le cas autrefois, et ce qui a justifié la création des associations d'anciens combattants pour promouvoir et défendre leurs droits. Donc la grosse difficulté est une difficulté d'attractivité, entre guillemets, parce que voir une association d'anciens combattants, c'est malheureusement vu, ça c'est une image un peu d'Épinal ou un petit peu couleur sépia, comme des grands anciens qu'on voit d'un certain âge avec des cheveux blancs, bon, enfin, on n'y peut rien, autour des monuments aux morts le 11 novembre et le 8 mai. Donc il y a cette réduction, si vous voulez, sur le périmètre des actions des associations d'anciens combattants qui, à mon avis, nécessiterait qu'on puisse plus expliciter ce qu'on fait à nos militaires et ce qu'il faudrait absolument qu'on puisse rentrer, entre guillemets, dans les régiments, dans les casernes ou sur les bases aériennes pour expliquer le travail qu'on fait à leur profit et qui ne se limite pas aux cérémonies, mais qui se limite aussi, je dirais, au lien qui s'étend au lien armée-nation, qui s'étend à la mémoire, bien sûr, et à leur mémoire. Et donc, il est nécessaire qu'ils contribuent à la valorisation de leur mémoire. Et c'est aussi leur faire prendre conscience que l'administration les protège, dormez tranquille, mais heureusement qu'il y a, pardonnez-moi l'expression, les chiens de garde que sont les associations de combattants, comme nous, pour veiller effectivement à tous les aspects législatifs et pour défendre ce qui a été acquis. Voilà ce que je voulais dire sur la quatrième génération du feu. Vous parlez effectivement de la problématique de la taille des associations. Donc, vous savez, ça a été dit par monsieur derrière. L'étude qui a été faite par le contrôleur général Robert sur l'évolution des ressortissants de l'ONAC. Association nationale des combattants, et pas des anciens combattants. Ça change quand même, la sémantique change. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, 2 millions en ce moment, 500 000 ressortissants d'ONAC en 2050. Bon, problème derrière, des associations, au fond, qui seront nécessairement obligées de converger. On est en train de le faire, vous l'avez vu, on s'est exprimé d'une seule voix sur la PMI. Moi, j'ai lancé au niveau de mon association un travail de terrain pour voir la façon, dans chaque département, dans chaque localité, comment on arrivait à converger. Et ensuite, nous travaillerons cette année avec les associations amies sur un rapprochement qui ne sera pas une fusion-acquisition, mais qui sera, je dirais, tout doucement, cette convergence qui nous permettra après de parler d'une seule voix. Voilà quelle est notre logique de notre travail en ce moment. Pour répondre à Madame Bazin-Malgra, la mémoire. Bon, vaste sujet, vaste chantier, comme aurait dit un général. Il y a ceux qui font la promotion du Memorial Day. Bon, OK. C'est pas tout à fait dans la culture française. Il y a quand même un constat, c'est qu'il y a quand même un accroissement du nombre de cérémonies qui est très chronophage pour tout le monde et qui peut entraîner une certaine forme de démotivation pour ceux qui veulent y assister, mais en particulier pour vous, parce que je suppose que vous êtes consommés par un certain nombre de cérémonies auxquelles vous devez assister. Bon, donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur la nécessité de revoir un petit peu le nombre de cérémonies. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais je crois aussi beaucoup, si on veut faire du travail de mémoire locale, et c'est ce que nous faisons, nous, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un maillage qui est important, c'est qu'au fond, il faut absolument qu'une cérémonie locale soit personnalisée par un hommage qui soit rendu à quelqu'un, à un héros ordinaire, je dirais, du ville, d'un village ou de la commune. C'est extrêmement important. Et ça permet derrière de faire travailler, entre guillemets,
les écoliers, les lycéens sur ce personnage, un petit peu comme les petits artistes de la mémoire hein, qu'organise l'ONAC. Et derrière, si vous voulez, d'avoir une motivation plus importante, je dirais, au niveau de ceux qui, des habitants, entre guillemets, des citoyens, parce que c'est quelqu'un qui est de leur village, de leur ville, de leur commune. Et donc, ils peuvent s'approprier un petit peu cette mémoire. Au fond, c'est de faire de la mémoire à hauteur d'homme, si je puis dire. Voilà. Donc, merci. C'est tout ce que je veux dire. Merci, mon général. J'ai une demande de Madame Ribi. Et ensuite, nous aurons le général Martial et nous conclurons. Je reviens sur deux mots. Le devoir de mémoire et les jeunes ne le comprennent pas, ce devoir de mémoire. Quand vous avez des jeunes en face de vous, parler d'un devoir de mémoire, ils ne comprennent pas. Par contre, si sur un sujet bien précis, je vous rejoins, on travaille ensemble, eh bien, les jeunes adhèrent et prennent des initiatives et dans nos associations, prennent une part. Et ils deviennent des cadres de nos associations. Et c'est ça notre pérennité. C'est que les jeunes s'approprient le devoir de mémoire. Il faudrait plutôt parler pour eux du travail de mémoire. C'est très, très, très important. Parce que, franchement, sinon, on n'avancera pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, général. Très, très rapidement, tout d'abord, je partage l'analyse de Madame la députée qui souhaite une modification du calendrier des auditions. C'est vrai que cette audition aurait grand intérêt à se situer beaucoup plus dans le temps, plus en avance dans le temps d'élaboration et de présentation du PLF. Madame a aussi posé la question de comment rattraper le point d'indice. Alors, c'est vrai qu'il y a le point d'indice. Et le point d'indice, c'est le point d'indice des PMI, des pensions militaires d'invalidité versées, et aussi de, maintenant, l'allocation de reconnaissance du combattant. Et la difficulté, c'est finalement de faire une mesure qui bénéficie aux deux dispositifs. Bon, c'est le cas lorsque l'on revalorise. Aujourd'hui, on considère qu'on était au 1er janvier 2023 à un décrochage par rapport à 2005 de 10%, décrochage qui va immanquablement s'accentuer, donc qui passe là par une revalorisation. Il y a d'autres leviers qui sont à notre disposition, notamment pour l'allocation de reconnaissance du combattant, l'augmentation du nombre d'un point d'indice qui lui est alloué, sachant que beaucoup de bénéficiaires de l'un sont bénéficiaires de l'autre. On peut aussi jouer, et vous l'avez évoqué, sur les dispositifs fiscaux. La demi-part qui quand même est allouée à un certain âge. L'allocation de reconnaissance du combattant qui, elle, est allouée aussi à un certain âge. Donc il y a finalement une multitude de leviers à notre disposition. Et c'est en jouant de ces leviers, chaque année, par des mesures qu'on pourrait qualifier de quasiment catégorielles, qu'on pourrait avancer. Je note d'ailleurs, et ça rejoint d'autres questions de mesdames, messieurs les parlementaires, on s'inquiète du devenir du monde combattant. Mais quand on regarde tous ces dispositifs et l'âge auquel on bénéficie de ces dispositifs, eh ben, obligatoirement, le monde combattant, on s'intéresse au monde combattant à partir d'un certain âge. Et quelles dispositions peut-on prendre pour les plus jeunes d'entre nous de manière à susciter leur intérêt et donc, par là, à nous rejoindre? Merci beaucoup pour ces derniers éléments. Alors, simplement sur l'audition, je voulais signaler à tout le monde que nous aurons l'audition, enfin, la deuxième audition du ministre Le Cornu jeudi, qui est le ministre de tutelle et à qui nous pouvons poser, bien évidemment, l'ensemble des questions sur ce périmètre. Je voulais terminer peut-être en reprenant vos mots, général Dodane, vous commenciez en disant que la République s'incline. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous écouté, nous avons aussi permis aux Français d'écouter, de se forger une opinion sur cette question de la reconnaissance de la nation. Est-ce qu'elle est parfois insuffisante? Je le crois d'ailleurs souvent. Est-ce qu'elle est toujours à la hauteur? Sans doute du sacrifice et du don de soi, sans doute jamais complètement à la hauteur. Est-ce qu'elle est ridicule? Je crois qu'elle ne l'est jamais. Je vous remercie toutes et tous pour la participation à cette audition et nous allons continuer avec les APNM. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux d'accueillir les représentants des associations professionnelles nationales de militaires représentatives d'au moins une force armée ou d'une formation rattachée pour une audition consacrée au projet de loi de finances pour 2024. Créé par la loi de 28 juillet 2015, actualisant la LPM 2015-2019, les APNM ont participé à la rénovation de la représentation des militaires pour enrichir le dialogue social au sein de la fonction militaire. Quelques précisions, elles sont exclusivement composées de militaires et ont pour objet exclusif la préservation et la promotion des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire, terme défini par le Code de la Défense pour préciser leur mission. Les APNM ne sont pas des syndicats, sont complémentaires du Conseil supérieur de la fonction de militaire que nous avons auditionné il y a quelques jours, dans lequel elles ont d'ailleurs la vocation de siéger sous réserve de conditions de représentativité. Alors, nous recevons aujourd'hui, et je vous souhaite la bienvenue, pour l'APN Marine, représentant des personnels de la Marine nationale, le premier maître Michael Berben, co-président, je n'ai pas fait d'erreur. Pour l'APN Air, représentant des personnels de l'armée de l'air, le capitaine Lionel Hillerot, président, et major Philippe Glimont, président délégué. Tout va bien. Pour l'APM Commissariat, représentant des personnels du service du commissariat des armées, monsieur le commissaire première classe Clément Montagne. Pour France Armement, représentant les personnels de la DGA, l'ingénieur en chef de l'armement Romain Berline et monsieur Romain Bozoul, membre du bureau. Et pour l'APRODEF, le représentant de la DGA, l'ingénieur en chef Jean-Sébastien Martinez, ingénieur principal, pardon. Chef, pardon, excusez-moi, il y a eu quelques petites modifications. Et l'ingénieur en chef, principal, 30 bateaux. C'est bon ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Sans plus attendre, je laisse la parole aux associations pour une intervention chacune de 5 minutes. Une séance de questions-réponses avec les députés suivra les exposés préliminaires. Si vous le voulez bien, on va commencer par le premier maître, Michael Berben. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président de la commission. Mesdames et messieurs les députés, membres de la commission, je suis coprésident de APNM Marine et également président de l'Union APNM, qui regroupe 2/3 des associations représentatives du ministère des Armées, mais également une APNM du ministère de l'Intérieur, Jean de 21, que l'on oublie trop souvent. C'est à ce titre que je prends la parole pour ces associations. Vous avez invité les dirigeants des APNM et nous vous en remercions. Il y a quelques jours, vous receviez ici le CSFM. Tout comme eux, nous sommes représentatifs de l'État militaire, même si chaque membre du CSFM est élu par les membres de son CFM d'appartenance, soit une 20aine ou une 50aine de militaires, les dirigeants des APNM sont élus par des centaines, voire des milliers de membres. Les membres du CFM représentent assurément les militaires qu'ils rencontrent et qui les saisissent. La comparaison ne s'arrête pas là, car ces membres électeurs pour le CSFM résultent d'un tirage au sort sur base de volontariat, alors que pour les APNM, je peux dire que vous avez la frange des militaires qui ont quelque chose à dire et pour qui la condition militaire importe. En effet, par la culture et par tradition, autant que réglementairement, les militaires s'expriment très peu, voire pas du tout. Donc les APNM sont les représentants élus démocratiquement de la communauté militaire qui a un avis, qui se préoccupe de la condition militaire. Cette activité est majoritairement bénévole, dont les membres élus participent également aux activités opérationnelles des armées. Si la vocation ultime des APNM est de siéger au CSFM, où nous attendent 16 sièges, la loi est ainsi faite qu'actuellement nous ne pouvons pas participer à la concertation pour une question de seuil. Nous pensons que cela ne répond pas à la finalité de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle a condamné la France en 2015. Mais c'est un autre sujet que celui pour lequel vous nous auditionnez et pour lequel nous sommes donc doublement reconnaissants. Nous aimerions voir porter à votre connaissance le retour d'expérience de nos adhérents sur la condition militaire et sur les dernières évolutions qui, en ce mois d'octobre 2023, auront un impact à la fois sur leur famille, mais également sur la fidélisation des militaires à court et moyen terme. La mise en place du volet 3 de la NPRM permet de terminer la rationalisation des primes pour les militaires. C'est en aucun cas, comme certains le pensent, une mesure de revalorisation de la solde de nos marins.
En effet, bien qu'une partie de notre communauté ne soit pas lésée par cette nouvelle mesure, d'autres devront attendre la revoyure en 2026 afin de voir leur situation revenir à l'équilibre avant sa mise en place. Les compensatoires décidés étant valables jusqu'à la fin de leur présente affectation, et pour certains, la compensatoire n'existe pas du tout, engageant une perte nette par mois de plus de 300 euros. Prenons par exemple une spécialité en forte tension, les météorologistes océanographes. Encore 8 brevets de maîtrise de grade maître principal ne pourront pas prétendre à la balise de niveau 4 de la prime de parcours professionnel, alors que ces derniers détiennent le brevet de maîtrise leur ouvrant droit. Ce troisième volet, bien que bénéfique à une majorité de militaires, laissera du personnel comme nos équipages avec une indemnité d'état militaire IEM moins importante que lorsqu'ils touchaient l'indemnité de charge militaire l'ICM. Sans compter sur l'augmentation de la fiscalisation des militaires qui se verront augmenter leurs revenus imposables. Nous souhaitons également attirer votre attention sur le logement et l'hébergement depuis la création du plan Ambition Logement et ses nombreuses promesses. Dans les faits, nous avons une déflation sur le nombre de logements qui seront construits, mais aussi du foncier manquant pour mener à bien ce projet nécessaire pour le bien-être de nos familles. Nous pourrions cependant souligner, comme dans la ville de Toulouse, où le plan Ambition Logement n'a pas été retenu l'attention nécessaire, où il aurait été judicieux d'en être une part intégrante. L'hébergement est d'autant plus préoccupant qu'il devient difficile de loger le personnel célibataire géographique qui représente 56% des hébergeants dans la marine nationale. Certains marins affectés à Paris font jusqu'à 4 heures par jour de transport en commun, explosant la moyenne francilienne d'une heure quotidienne. Il me revient alors de vous rappeler le sujet du Val-de-Grâce qui aurait été pu éviter à ces militaires tant de contraintes quotidiennes pour le bien du service. Ces célibataires géos font ce choix afin de garantir l'équilibre de vie familiale et éviter les déménagements successifs des familles dont la perte avérée de l'emploi du conjoint fragilise le milieu familial. Mais aussi éviter aux familles à dimension particulière d'arriver dans la nouvelle affectation avec 2 ans de retard sur le militaire parce que le logement n'est pas aux normes ou que l'administration française médico-sociale exige un temps de traitement de 2 ans pour un ascendant ou un descendant en situation de handicap. Une meilleure prise en compte de ce mode de vie est indispensable. Les marins sont à l'entour de 30% de célibataires géographiques en région parisienne. Cette prise en compte permettrait de fidéliser des marins à haute compétence qui se voient trop régulièrement démarchés par le monde civil à la recherche de ces perles rares et dont la prise en compte des contraintes est bien mieux faite, y compris en termes financiers. La fidélisation de nos militaires sera le point d'orgue de l'avenir de nos formats des armées. Cette fidélisation ne peut pas se réduire à un aspect pécunier. Il y a une vraie reconnaissance du service accompli au service de la nation pour lequel cela pourrait prendre bien des formes. Une meilleure reconnaissance du service accompli en mission opérationnelle ou l'augmentation de certains contingentements de médailles afin de permettre de récompenser des militaires méritants. Mais également par une prise en compte forte des familles du changement sociétal actuel. Une meilleure communication vers les familles lorsque le personnel de la marine est en interarmée. Le rôle du Bureau des familles, qui œuvre dans le but de rassurer et d'accompagner les familles des marins, partis en opération, est primordial et doit être renforcé. La prise en compte des arrêts de carrière des conjoints de militaires lorsque ces dernières sont mutées en outre-mer ou à l'étranger doit avancer, qu'il s'agisse de conjoints civils ou militaires. Cependant, pour fidéliser les marins les plus expérimentés, APNM Marine réitère sa proposition de voir intégrer les primes de compétences spécifiques à nos pensions afin de les revaloriser, à l'instar de la proposition faite par le HECM, d'intégrer également l'IEM. Enfin, n'oublions pas la protection sociale qui devrait être mise en place dès l'année prochaine où nous restons vigilants sur la prise en compte du personnel retraité et pensionné. De cette nouvelle possibilité ouverte, nous serons également vigilants à une baisse de prestations comparée au référencement actuel. Il est à regretter que ce dispositif ne soit pas ouvert aux militaires souhaitant effectuer une seconde carrière, sans parler de nos réservistes. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, membres de la Commission, je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée. Je suis prêt à répondre à vos questions directes et respectueuses de la hiérarchie, mais dans l'intérêt du personnel qui nous fait confiance par leur adhésion et leur voix. Et au travers des réponses, vous comprendrez nos remarques sur la condition militaire 2024 et les axes d'amélioration que nous envisagions ou avions envisagés pour les travaux de cette PLF. Merci. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à l'un des deux, le capitaine Lionel Hilero ou alors le major Philippe Guimont, je ne sais pas qui. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, l'Association professionnelle nationale des militaires de l'air, l'APNER,
Une fois de plus, particulièrement honoré d'intervenir devant vous aujourd'hui au titre des travaux du projet de loi de finances 2024. Ce projet de loi de finances fait suite à une loi de programmation militaire que vous avez votée l'été dernier et qui laisse entrevoir du renouveau autour de la condition militaire. Ce projet de loi de finances, il suit aussi la publication du 17e rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire qui, sous le prisme des officiers, porte 14 recommandations pleines de bon sens au bénéfice de la communauté militaire et dont nous espérons qu'elles seront rapidement suivies d'effet. Concernant le PLF 2024, mon propos portera sur la politique des ressources humaines, notamment concernant l'attractivité et la fidélisation, la politique d'aide au logement et la recherche d'une offre adaptée aux besoins des familles, et la politique immobilière tellement indispensable à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Sur l'attractivité et la fidélisation, ce PLF précise les mesures adoptées lors du rendez-vous salarial de juin 2023, l'accroissement des efforts en faveur des familles et la mise en œuvre du plan Famille 2, avec notamment l'augmentation de l'offre de garde de jeunes enfants et la construction de crèches en partenariat avec les collectivités, mais aussi l'extension de la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile. Nous serons tout particulièrement attentifs aux différentes actions qui seront engagées en collaboration avec les collectivités territoriales qui accueillent les emprises militaires, afin de favoriser l'accueil des familles de militaires dans leur bassin de vie. C'est là un vrai enjeu visant à compenser les contraintes de l'engagement opérationnel. Une satisfaction concernant le dispositif d'accompagnement des blessés aussi, qui est une véritable évolution dans le paysage. Vu de notre place, c'est un vrai beau chantier qui a été mené à bien. Bon, la déception forte reste l'absence d'un travail complet de mise en cohérence des grilles indiciaires de toutes les catégories de la fonction militaire. C'est, vu de notre place, toujours la grande déception, car ce sujet du tassement des grilles indiciaires, qu'on a évoqué plusieurs fois devant vous d'ailleurs, il fait débat pour personne. Et vous avez pu le constater par vous-même au fil des auditions, le chef d'état-major des armées allant jusqu'à porter ce sujet lui-même. Les militaires attendaient une véritable reconnaissance de leur engagement et des responsabilités associées. Du militaire du rang au général. Ils attendaient un outil indiciaire qui redonnerait à la fois envie de gravir l'escalier social que proposent les armées, mais surtout un outil qui reconnaîtrait à nouveau le mérite d'un militaire du rang à passer sous-officier, d'un sous-officier à accéder à l'épaulette et de l'officier à s'engager pleinement dans une carrière longue. Alors il faudra attendre encore. C'est décevant et ça laisse le sentiment d'un manque de considération. Ce sentiment de manque de considération, il a été souligné par le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dans son 17e rapport. Et c'est d'autant plus dommage que le reste va plutôt dans le bon sens. Sur la politique d'aide au logement et la proposition d'une offre adaptée aux besoins des familles, qui est une contrepartie aux obligations de disponibilité et de mobilité fixées dans le statut général des militaires, l'année 2024 sera la seconde année de mise en œuvre du contrat Ambition Logement, signé début 2022. Ce contrat, qui prévoit notamment la rénovation complète du parc ainsi que la construction de près de 2800 logements neufs d'ici à 2030, va dans le bon sens. Et même si nous savons que cela reste du temps moyen-long, il est important de souligner les efforts réalisés dans le domaine. Idem pour ce qui relève de l'immobilier, avec notamment l'hébergement, qui contribue là encore à la fidélisation et à l'attractivité. Et cela ne touche plus exclusivement les jeunes, mais bien toutes les catégories d'âge et de grade. Il faut noter là encore les efforts et la volonté affirmée d'avancer sur le sujet. Et tout ce qui sera fait dans ce domaine aura un impact immédiat sur le quotidien des forces. Le constat encore réalisé cette année en région parisienne montre la persistance d'une réelle problématique très mal vécue par le personnel. Un mot toujours sur le plan Famille 2 qui apporte des solutions tant aux militaires qu'au personnel civil du ministère. Là encore, nous serons attentifs à voir les mesures effectivement mises en œuvre. L'attente est importante et les effets doivent correspondre aux besoins et être rapidement visibles. Il en va de la crédibilité du projet et de la confiance que nous vous portons. Concernant le troisième volet de la nouvelle politique de rémunération des militaires, la mise en place de l'indemnité de garnison, la fameuse IGAR, elle continue de faire plus que d'interpeller sur plusieurs points. Mais pour nous, il est encore un peu tôt pour juger objectivement de sa qualité. Nous reviendrons devant vous pour vous faire part de notre analyse.
Donc, en synthèse, si la période est plutôt favorable à la condition militaire, si les sujets de préoccupation sont effectivement pris en compte avec détermination, il restera quand même une déception autour de ce chantier indiciaire et la critique du choix retenu d'accepter que le relèvement de l'indice minimum de la fonction publique continue de produire un effet de tassement qui nuit à notre escalier social. Le HCECM et son 17e rapport préconisaient de commencer intelligemment par le haut. Cela a été partagé devant vous par le CEMA et nous nous associons complètement à cette analyse avec au final un sentiment d'incompréhension sur les décisions qui ont été prises. Rien n'est jamais définitif et je pense sincèrement que vous avez là aussi un rôle à jouer pour infléchir ces décisions. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Je laisse la parole maintenant au commissaire première classe Clément Montagne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, au nom de l'APNM Commissariat, je souhaite tout d'abord vous remercier pour l'occasion qui nous est une nouvelle fois donnée d'intervenir devant vous pour porter à votre connaissance les préoccupations de nos membres au sujet de la condition militaire. L'APNM Commissariat est représentative des deux corps gérés par le service du commissariat des armées, deux corps d'officiers que sont les aumôniers et les commissaires. L'APNM souhaite ainsi appeler votre attention sur trois sujets. Tout d'abord, l'impact des engagements prévus en 2024 sur la condition du militaire. Ensuite, les moyens alloués au soutien qui concourent directement à la condition militaire dans le PLF 2024. Et enfin, le sentiment de déclassement émergent parmi les officiers que le rapport du HCECM a mis en exergue et que mes camarades ont précédemment rappelé. Le mois d'octobre 2023 a ouvert une séquence mémorielle, celle des 80 ans de la libération du territoire national, qui se prolongera sur 2024. Cette séquence se fera en parallèle avec d'autres événements majeurs, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris, pour lesquels les armées seront probablement sollicitées dans un contexte de forte mobilisation du personnel, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Cet engagement pourrait aggraver un problème d'ores et déjà existant et qui pèse sur la condition militaire, celui du traitement des jours de permission non pris. Aujourd'hui, le report d'année des jours non pris se fait à la diligence des commandements locaux, parfois amenés à assumer les décisions des employeurs précédents du militaire. Ce fonctionnement crée une incertitude sur la pérennité des permissions acquises qui s'accumulent d'année en année sans réelle solution de résorption. L'APNM Commissariat prône donc une évolution des règles en matière de report de permission et la création d'un mécanisme de thésaurisation des jours non pris pour permettre aux militaires d'en bénéficier lorsque leur situation personnelle le nécessite. C'est avant tout un outil d'équilibre vie professionnelle et personnelle et un véritable vecteur d'amélioration de la condition militaire. Sur le plan budgétaire, la loi de programmation militaire 2024-2030 marque une avancée notable quant aux moyens alloués aux armées et en particulier au soutien. Pour le SCA, service que les commissaires et les aumôniers servent, elle permettra d'offrir aux forces, un soutien de l'homme ajusté aux besoins jusqu'au dernier kilomètre. Nous saluons cette ambition qui transparaît dans les crédits alloués dans le PLF 2024. Néanmoins, ces crédits supplémentaires doivent être assortis de moyens humains pour répondre aux attentes légitimes des forces. Or, les signaux faibles que nous percevons aujourd'hui ne vont pas de sens, voire même dans le sens de la réduction des effectifs des services de soutien, créant une tension sur les personnels déjà employés et sur la mise en place des mesures futures. L'APNM Commissariat sera ainsi vigilante à ce que les hausses d'effectifs votées en LPM et que vous étudierez au PLF bénéficient également au soutien. Ce dernier, comme l'a rappelé le dernier rapport du Haut Comité à l'évaluation de la condition militaire, concourt en effet directement à la condition militaire et à la considération que portent les personnels vis-à-vis des officiers en particulier. Ce 17e rapport thématique du HCECM a également mis en exergue le sentiment prévalent chez les officiers, celui d'un déclassement, notamment indiciaire, est particulièrement présent. L'audition du CSFM devant votre commission a également pointé du doigt ces enjeux en les ouvrant aux autres corps militaires, et leurs conséquences en matière d'attractivité et de fidélisation. Ainsi, le tassement des grilles indiciaires, d'une part, et l'évolution des autres corps des directions de l'État, d'autre part, suite à la réforme de la haute fonction publique, interroge quant au positionnement des corps d'officiers et notamment celui des commissaires. Corps de direction, de conception et d'encadrement, le recrutement des commissaires est situé sur le même vivier que l'INSP et les IRA,
et nécessite donc une compétitivité indiciaire en interministériel afin d'attirer les talents au sein des armées. Pour nous, cette revalorisation indiciaire annoncée est donc prioritaire afin de créer des véritables leviers d'attractivité et de fidélisation des personnels au sein du commissariat et des corps d'officiers en général. Comme l'a également montré ce fameux rapport du HCECM, la question du positionnement des corps d'officiers est également un vecteur de conditions militaires. Aujourd'hui, l'accès aux emplois de direction de l'État est limité par décret, ne permettant pas aux officiers de se projeter dans l'évolution des mobilités extérieures enrichissantes pour les armées et la fonction publique. En conclusion, dans le contexte d'engagement actuel, la condition militaire revêt un enjeu de premier ordre pour attirer et fidéliser dans nos armées. Au-delà des attentes indiciaires, des améliorations sur les compositions immatérielles des sujétions sont attendues, en termes de logement notamment, comme cela a été évoqué. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, nous vous remercions à nouveau pour l'intérêt que vous portez aux questions de défense et à la condition militaire en particulier. Nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour avoir respecté les 5 minutes. Je vais laisser la parole à France Armement. Alors, je ne sais pas qui prend la parole. Est-ce que l'ingénieur en chef, Romain Berlin, c'est vous ? Parfait. Allez-y. Alors, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les députés, donc France Armement est une APNM créée fin juin 2016 et représentative de la DGA depuis 2017. Donc, nous visons à représenter plus particulièrement les officiers des corps de l'armement, donc c'est-à-dire les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, donc qui constituent les corps de direction et d'encadrement de la DGA, ainsi que d'autres organismes associés du ministère des Armées. Donc le corps des ingénieurs de l'armement, c'est un grand corps technique de l'État, au même titre que le corps des mines ou celui des ponts, mais à statut militaire auquel nous sommes très attachés. Donc avec les ingénieurs des études et techniques de l'armement, nous sommes amenés à exercer des fonctions de haut niveau dans le domaine de la conduite des programmes d'armement, de l'expertise et des essais, de la préparation du futur ou encore de la maintenance aéronautique. Et France Armement vise également à représenter d'autres militaires d'ancrage armement, les élèves de l'école polytechnique, les commissaires d'ancrage armement, les gendarmes de l'armement ou les réservistes de l'armement. Donc pour l'audition de ce jour, j'aurai 3 messages principaux à faire passer. Alors le premier, nous nous félicitons de l'augmentation, même modeste, des effectifs de la DGA qui est prévue au PLF 2024. Nous regrettons cependant qu'il soit essentiellement prévu l'augmentation du recrutement d'ingénieurs civils contractuels, qui dans la période actuelle sont notoirement difficiles à recruter et également à retenir, alors que le recrutement d'ingénieurs militaires pour l'instant ne pose pas trop de problèmes et pourrait être utilement augmenté. Voilà pour mon premier point. Pour le deuxième point, nous avons un enjeu de fidélisation des ingénieurs militaires qui sont malheureusement nombreux à quitter l'institution en milieu de carrière. Pour cela, pour nous, un levier essentiel serait l'amélioration du déroulement des carrières, donc avec un passage au grade d'ingénieur en chef plus précoce et davantage de postes d'ingénieurs généraux. Et enfin, comme indiqué lors de notre dernière audition, les moyens alloués aux APNM pour tisser des liens avec la communauté nous paraissent encore insuffisants. Le cadre réglementaire également particulièrement contraignant, avec l'interdiction de contacter par moyen électronique des adhérents potentiels. Et nous appelons de nos voeux donc son évolution. Voilà, j'espère avoir. Je laisse la parole au représentant de la PRODEF. Je ne sais pas qui intervient. L'ingénieur en chef. Parfait, allez-y. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les députés, nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui à la Commission de la Défense. C'est un honneur pour nous de pouvoir exprimer le point de vue de nos membres sur cette condition militaire. Donc, nous représentons APRODEF, l'association professionnelle de la Défense, association de militaires qui représente les officiers des corps de l'armement de la DGA, à l'instar de France Armement. À une époque où nos associations ne remplissent pas encore les... Je suis pas un peu loin. À une époque où nos associations ne remplissent pas encore les critères pour être admis en CSFM, il est réconfortant de savoir que les élus de la nation portent de l'intérêt à la vie des militaires. Bien qu'ils ne disposent pas du droit syndical, l'Europe et la France leur ont reconnu le droit de s'organiser au sein d'associations professionnelles. Or, force est de constater aujourd'hui, le dialogue entre les armées et les associations représentant le personnel militaire est encore à améliorer.
Pourtant, ces instances peuvent être des interlocuteurs précieux pour comprendre les problématiques du terrain et apporter des réponses adaptées. Je tenais tout d'abord à saluer l'inscription budgétaire du troisième bloc, donc pleine et entière, du troisième bloc de la NPRM dans le projet de loi de finances 2024. Cette décision répond aux attentes de nos membres et permet d'améliorer sensiblement la rémunération des militaires. Alors, il est cependant important de souligner deux points. Bien que positive, cette revalorisation ne comble pas l'écart salarial conséquent qui s'est creusé ces 30 dernières années sur le secteur privé, avec le secteur privé. Un travail important reste nécessaire pour actualiser les grilles indiciaires des grades. Donc c'est un sujet très récurrent pour toutes nos associations. L'autre point est la faible prise en compte de l'impact fiscal de l'indemnité de garnison dans le bloc NPRM. Ce sujet pose vraiment question. Nous avons réalisé une étude de cas transmise à la DRH du ministère qui montre que certains profils pourraient même voir leur rémunération globale diminuer avec cette réforme. Et que lorsqu'on se limite juste à l'indemnité de garnison, pour le cas des officiers des corps de l'armement, nous avons énuméré 50% de cas perdants. Et cela est très vrai dès que le taux marginal d'imposition dépasse les 15%. Il faut savoir que l'ancienne indemnité, l'indemnité de charge militaire, était totalement défiscalisée et que l'IGAR, donc l'indemnité de garnison, est fiscalisée. Et cela impacte réellement la rémunération globale du militaire. Alors de façon globale, il est sûr que la revalorisation globale de la NPRM comble pour la très grande majorité des cas cette problématique. Mais il reste encore quelques profils atypiques que nous avons identifiés qui perdront au cours de cette grande réforme de la rémunération des militaires. Le sujet principal corollaire à la rémunération des militaires est un sujet récurrent, est le logement et la très grande difficulté de se loger à Paris et dans certaines grandes villes. Et surtout en ce moment où de nombreuses réformes sur le logement, les taux d'intérêt qui ont augmenté ont provoqué le blocage du marché et une tension sur les locations très forte. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute et nous sommes à votre à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos explications. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues et nous allons commencer par les orateurs. Je rappelle que c'est 2 minutes, sinon je coupe. Le groupe Renaissance, Lysiane Mettei. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les représentants des associations professionnelles nationales des militaires, chers collègues, au nom des membres du groupe Renaissance, je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui et également pour vos différentes interventions. Nous mesurons l'importance des associations professionnelles nationales des militaires dans la préservation et la promotion des intérêts de nos militaires et par voie de conséquence de notre nation. Il y a un an, jour pour jour, je m'adressais déjà à vous dans le cadre du projet de loi de finances 2023 et nous évoquions alors les difficultés de recrutement et de fidélisation auxquelles font face nos armées. Depuis, la loi de programmation militaire 2024-2030 a été adoptée et viendra à s'appliquer dès janvier 2024. Si toutes les branches sont touchées par des difficultés de ressources humaines, nous avons récemment appris que pour la première fois depuis des années, l'armée de terre n'est pas parvenue à recruter les effectifs prévus. Il manquera cette année près de 2500 hommes à l'appel. Les améliorations des conditions d'exercice prévues par la LPM 2024-2030, telles que la revalorisation salariale, donc telles que vous l'avez aussi indiqué, le plan famille et le plan infrastructure de 3,1 milliards d'euros, sont autant d'efforts démontrant la volonté du gouvernement d'attirer et de fidéliser les effectifs. Pour autant, leur impact sur la capacité de nos armées à assurer le maintien de leurs effectifs à un niveau satisfaisant ne se fera sentir que progressivement. Face à ces constats,
Quelles sont, selon vous, les principales barrières au recrutement et à la fidélisation ? Pouvez-vous en faire état à la fois en ce qui concerne les mesures matérielles, sol, logement, vous l'avez déjà évoqué, mais également concernant l'état d'esprit qui entraîne ces départs prématurés et ces difficultés de mobilisation ? Et enfin, la féminisation des armées ne serait-elle pas également une réponse à ces enjeux de recrutement ? Je vous remercie. Parole à José González pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les officiers, ingénieurs, messieurs les représentants des associations, notre groupe se réjouit d'auditionner aujourd'hui à nouveau les associations professionnelles nationales militaires. Malgré votre spécificité toute particulière qui doit se concilier avec votre devoir de réserve, vous avez, à l'image des corps intermédiaires, un rôle important dans les remontées du moral de la troupe. Nous sommes donc, dans nos circonscriptions, régulièrement en contact avec des militaires ou des proches des militaires. Nous saluons leur dévouement et leurs sacrifices nombreux, y compris sur leur vie personnelle. Nos échanges avec ces hommes et femmes admirables nous rendent bien conscients des difficultés qui demeurent. Rémunération, mutation, accès aux soins, au logement, etc. Ainsi, à l'aube de l'examen du PLF 2024, qui affiche explicitement comme ambition de poursuivre l'effort entrepris pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et des civils de la Défense et de leurs familles également, nous aimerions solliciter votre avis tout particulièrement sur la question clé du logement et celle de la fidélisation, comme vous l'avez évoqué par ailleurs à l'instant. Est-ce que les trajectoires prises par le présent PLF dans la continuité de la LPM vous paraissent atteindre ces objectifs et de manière plus générale, et les recommandations que vous aviez formulées au cours de votre dernière audition vous semblent-elles enfin satisfaites ? Je vous remercie. Merci, monsieur. Je laisse la parole à Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Bonjour, Président, bonjour à vous. Merci d'être présent, merci de votre engagement sur cette représentation des militaires. Moi, je reviendrai sur plusieurs points que vous avez abordés. La troisième vague de la NPRM, on en avait parlé longuement l'an dernier. Je partage les mêmes doutes, inquiétudes que vous avez pu soulever. Je pense qu'il faudra attendre 2025 et les premiers effets de la fiscalisation pour pouvoir faire un bilan précis. Donc je propose que on se revoie à ce moment-là pour en reparler, mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette fiscalisation. Et là, je pense que vous avez d'ores et déjà des éléments. Vous le savez, il y a la fiscalisation, mais il y a également la forfaitisation de l'ensemble des primes. Or, pour une fois que le point d'indice était revalorisé, évidemment, les primes, elles, ne l'ont pas été. Et de votre point de vue, est-ce que l'augmentation des revenus liés à la NPRM a-t-elle été d'ores et déjà absorbée par l'inflation ou pas ? Première question. Toujours sur la NPRM, un des effets de bord pouvait être le renforcement du célibat géographique. Au vu des différentes primes qui étaient organisées. Donc, est-ce que vous le constatez, vous aussi ? Troisième point sur l'indiciaire. Moi aussi, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il aurait fallu commencer par le haut de la grille, mais en tout cas, ce qui était certain, c'est qu'il aurait fallu présenter la totalité de l'augmentation avant de commencer à la mettre en œuvre. Et que l'on ait une vision globale du projet avant de commencer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je vous rejoins là-dessus. Et ma question, c'est comment jugez-vous l'intégration des mesures Guérini de réévaluation des plus bas niveaux de grille, alors même que l'on avait un engagement du ministre à une hausse spécifique des militaires. Et donc, en fait, l'essentiel de la hausse des plus bas échelons est aujourd'hui absorbé par l'effet Guérini. Et dernière question plus précise sur les soldats qui servent aujourd'hui au sein des missions des MISOPS.
qui n'ont pas le même statut que ceux qui servaient au niveau des OPEX. Je pense notamment à la prime sur les pensions. Je pense notamment à la capacité d'obtenir les médailles. Comment jugez-vous, vous, cette différence de traitement entre un soldat qui sert en MISOP et un soldat qui sert en OPEX ? Merci. Merci pour votre question. Je laisse la parole maintenant au groupe démocrate Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe démocrate, je vous remercie pour votre présence, messieurs, puisqu'il n'y a pas de femmes ce matin, alors que nous apprêtons à examiner les crédits de la mission Défense pour l'année 2024. L'année 2024 sera la première année de mise en œuvre de la LPM, qui prévoit notamment de poursuivre le déploiement des mesures d'accompagnement et d'amélioration des conditions de vie et d'environnement social des militaires et de leurs familles. Nous sommes tous bien conscients qu'en améliorant la condition militaire, c'est l'attractivité de nos armées que nous développons. L'amélioration de la condition militaire se fait grâce aux associations comme les vôtres qui permettent d'unir les voix des militaires et de porter leurs revendications. Ma première question porte sur votre présence éventuelle au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire. Ce conseil était très présent dans la préparation et l'élaboration de la loi de programmation militaire. Les réunions réalisées ont permis aux militaires d'échanger avec des parlementaires et pour nous de mieux comprendre les attentes de ces militaires. Nous avons bien compris que la désignation n'est pas identique, évidemment, mais quelle vision auriez-vous de la place des APNM au sein de ce Conseil supérieur de la fonction militaire ? La deuxième question porte sur l'accompagnement des militaires. Nous avons beaucoup parlé, oui, vous avez beaucoup parlé, des problèmes récurrents de logement. Je voudrais juste aborder l'accès au transport depuis une emprise militaire, qui est un véritable problème, notamment pour des célibataires géographiques. L'éloignement de certains espaces militaires par rapport au mode de transport est en fait un vrai problème pour nombre d'entre vous. Quelles propositions concrètes pouvez-vous nous faire sur ce sujet ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je laisse la parole à Mélanie Thomas, pour le groupe socialiste et apparenté. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre présence et pour vos exposés dans le cadre du PLF 2024. Chers collègues, au nom des députés socialistes, j'aimerais tout d'abord rappeler que notre groupe est un fervent soutien de l'amélioration des conditions d'exercice des militaires, tant sur le plan matériel que financier. Et mes réflexions ce matin s'inscrivent dans le sillage de celles de mes collègues. J'ai trois réflexions à vous porter. La première concerne le dialogue social. Nous avons reçu la semaine dernière vos homologues des organisations syndicales des personnels civils de la Défense. Ces dernières nous ont signifié, je cite, leur dialogue imparfait avec le ministre concernant la politique RH du ministère des Armées. Selon elle, le dialogue avec la DRHMD est plutôt bon, mais la DRHMD n'est pas l'interlocuteur politique. Quel est de votre côté l'état de vos discussions avec le ministre concernant vos attentes, par exemple en matière de télétravail? Les personnels civils ont exprimé leurs attentes fortes en termes d'arbitrage politique du côté du ministère. Il s'agit ensuite pour moi de vous poser une question concernant la rémunération des militaires, notamment ceux qui ne sont pas en opération. Que pensez-vous de cette nouvelle politique de rémunération dans un contexte d'inflation ? La rémunération est-elle suffisante pour ceux qui ne sont pas en opération, en particulier les militaires du rang ainsi que les officiers ? Enfin, s'agissant des politiques de fidélisation et d'attractivité, la politique RH prévue dans le PLF 2024 est-elle à même de résoudre les problèmes de fidélisation ? Je pense par exemple aux spécialités de sous-officiers à profil de technicien supérieur, comme les mécaniciens aéronautiques de l'armée de l'air et de l'espace, aux officiers mariniers de la marine et aux logisticiens et conducteurs de travaux de l'armée de terre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons procéder, si vous le voulez bien, à une première salve de réponses. Je vous laisse le soin de vous organiser en fonction des questions qui ont été posées. Je vous remercie.
C'est vous qui lancez le... Mesdames et messieurs les députés, bonjour. Un petit focus sur les grilles. Je pense que ça a été très bien présenté tout à l'heure. On a dit que, on l'a rappelé tout à l'heure dans le liminaire de l'Apner, qu'il y avait une forte attente de vouloir détasser les grilles par le haut. Mais tout simplement parce qu'il y a un lien direct avec l'ensemble de ce qu'on appelle notre escalier social. On ne peut pas avoir d'un côté des parcours de carrière avec un escalier social de toutes les catégories réelles sans que les grilles suivent exactement le même modèle. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Ça veut dire que l'escalier social, et là, c'est un lien direct avec le recrutement. Aujourd'hui, comment voulez-vous recruter sérieusement un militaire du rang ? Déjà, sans même parler d'escalier social, uniquement quand il reste dans sa catégorie, pendant les 12 premières années de sa carrière, il va être au SMIC. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, on n'a fait qu'appliquer la loi, c'est-à-dire aménager les grilles pour répondre aujourd'hui aux problèmes législatifs, c'est-à-dire de relever un indice minimal de la fonction publique. Donc aujourd'hui... Un militaire du rang, clairement, vous ne lui offrez pas déjà de perspectives financières pendant les 12 premières années de sa carrière. Ce qui est très important, puisque déjà, vous lui couvrez à peu près 2 contrats. Vous imaginez 2 contrats renouvelés où vous dites en plus que vous êtes content de ce qu'il fait, où vous le remerciez pour les services qu'il rend à l'institution sans l'augmenter d'un seul euro. Imaginez un patron d'entreprise dans le privé qui aurait exactement le même dialogue. Je ne suis pas sûr qu'il rencontrerait le même succès que dans les armées. Ça, c'est pour le bas. Pour le haut, on l'a dit, et je le redis, on a vu ça que chez nous, qu'au ministère des armées. La catégorie A+, ça fait 15 ans qu'on ne les a pas revalorisés par le haut. 15 ans qui sont exactement au même indice. La seule chose où on aurait pu dire que ça aurait été un peu dissimulé, c'était le transfert prime point dans les années 2015, où on a transféré de l'indemnitaire en indiciaire pour répondre à un rapport qui faisait état que, quand on comparait les militaires aux civils, ils avaient trop d'indemnités par rapport à l'indiciaire. On aurait pu trouver sa réponse dans la LPM et dans le futur programme. Seulement, ça a aussi un lien avec les pensions, puisque aujourd'hui, les pensions des militaires sont calculées à partir de l'indice détenu en fin de carrière ou au moment du départ. Donc aujourd'hui, comme le système de pension qui a été retenu est revenu sur le système indiciaire reprend toute sa valeur. On est aujourd'hui... On ne peut pas faire autrement. Et là, je réponds un peu à Madame la députée sur le sujet. Ça a un lien direct avec la fidélisation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas garder des gens, quelle que soit leur catégorie, si en fin de carrière, leur évolution salariale n'est pas intéressante. Vous ne pouvez pas garder. On parle vraiment de cadre supérieur, là. Quand vous êtes sur des grades de colonel... Vous êtes sur des militaires qui commandent plus de 2000 personnes pour certains, qui ont des responsabilités en matière matérielle de gouvernement qui sont énormes. Quand vous regardez l'indice qu'ils détiennent, mais il vaut mieux que ce soit moi qui le dise, mais comparé à du secteur privé, c'est ridicule. Comparé aux responsabilités sur le terrain, alors non seulement la responsabilité matérielle, mais humaine vis-à-vis de leurs hommes qu'ils commandent. Sur le terrain. C'est très important. Donc, vous voyez, tout est lié. On doit avoir une revalorisation indiciaire qui soit concomitante avec toutes les catégories pour répondre à l'escalier social qui est le modèle de nos armées. Sinon, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous que cette revalorisation indiciaire soit intéressante, puisque même si on voulait commencer par le bas, on est tout de suite coincé puisque c'est assez par le haut. Ça n'a pas de sens. Donc, il aurait fallu
peut-être commencer par l'euro, mais ce qui aurait été le plus logique, qu'on commence par les trois catégories en même temps. Ce serait ça le plus logique. Ça aurait du sens. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi le résultat ? Un sous-officier, pendant 8 ans, il n'est pas augmenté. Un militaire du rang, pendant 12 ans, il n'est pas augmenté. Alors ça, en matière d'attractivité, il n'y a pas que le choix du métier des armes. Il y a surtout cette revalorisation indiciaire où vous leur donnez une perspective salariale qui, finalement, n'est pas du tout attractive. Donc, heureusement qu'on a des jeunes qui rentrent. Ça veut dire clairement que certains ne rentrent pas pour l'argent. Vous êtes d'accord avec moi ? Sinon, ils ne viendraient pas. Surtout dans des spécialités où on est en forte concurrence avec le secteur privé et où on leur promet presque des ponts d'or à responsabilité, je dirais même pas égale. Ce que pour certains, n'oubliez pas que le décollage d'un avion dépend de leur responsabilité, de leur spécialité. Donc, tout est lié. Juste un petit focus sur la féminisation, pour vous dire que, pour répondre à votre question, on est le bon exemple, l'armée de l'air, hein, un aviateur sur quatre est une femme. Je pense qu'on est le modèle de réussite de cette transformation sociale dans les armées en 30 ans. On a dû passer de 2% à presque 25%. D'ailleurs, c'est un bon modèle de réussite, puisque personne n'en parle. Ça veut dire que vous voyez que c'est plutôt réussi. C'est tellement réussi que je peux vous assurer qu'au quotidien, plus personne n'y fait attention. Aujourd'hui, un bon nombre de bases aériennes sont commandées par des officiers supérieurs féminins. Je peux vous dire que ça choque personne. C'est devenu tellement naturel que personne n'en parle. Donc ça veut dire que l'intégration, elle est réelle, et je ne pense pas qu'il y ait une réelle différence de recrutement entre les hommes et les femmes. Je pense que simplement, aujourd'hui, on est arrivé au seuil maximum naturel d'intégration des femmes dans l'armée de l'air aux alentours de 25%. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Qui est-ce qui veut répondre à... Oui. Alors moi, je me permets de prendre la parole. Déjà, je vais répondre à une première question à Mme Thomas sur le dialogue social avec le ministre. La réponse, elle est simple, il n'y en a pas. Le ministre, on lui a écrit plusieurs fois en tant qu'union et même en APNM indépendamment. La réponse, c'est qu'il nous renvoie vers nos armées ou nos services. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucun dialogue avec le ministre. Donc c'est clair et c'est regrettable parce qu'on aurait quelque chose à apporter. Plusieurs fois, il y a eu les commissions de réserve qui ont été faites avant qu'il y ait eu la promulgation des réserves. On n'a pas été invité, les APNM. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dimensionnant et où on pourrait apporter une plus-value, on n'est pas invité. Donc on l'a signalé à M. le ministre, mais à chaque fois, c'est toujours la même réponse de non-recevoir en se cachant derrière la réglementation actuelle qui dit « Vous êtes une APNM de représentation de premier niveau, donc je n'ai pas à dialoguer avec vous. » Donc c'est bien dommage parce qu'il se prive de quelque chose. Il faut savoir que les APNM sont complémentaires, comme vous l'avez dit, Monsieur le vice-président, du CSFM. Donc si on nommait une partie du PAN, justement, des militaires qui sont adhérents dans ces associations et qui justement, nous donnent les moyens de pouvoir vous parler, je trouve que c'est dommage de l'occulter. D'ailleurs, on peut rappeler aussi l'amendement d'appel de M. Lenné au mois de juin qui a demandé de savoir faire de ce que nous allions faire des APNM. Et la réponse n'est pas justifiée lorsque le rapporteur dit que ça n'intéresse pas les militaires. En fait, les militaires, ils ne connaissent pas les APNM. On a la difficulté de communication et de faire connaître. Donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher si on ne nous donne pas un coup de main. Donc ça, c'était sur la première réponse. Après, je vais revenir sur la féminisation, parce que la féminisation de l'armée de l'air n'est pas celle de la marine. Nous, dans la marine, on a atteint vraiment un certain palier, puisque les femmes embarquent sur les bâtiments loin et longtemps. On cherche aujourd'hui à leur donner une seconde carrière après, lorsqu'ils ont un désir d'avoir des enfants et qu'ils peuvent avoir la difficulté de naviguer. Donc ça s'est vraiment amélioré et c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a encore quelques efforts à faire, surtout sur les grades sommitaux, de pouvoir promouvoir ne serait-ce qu'une amirale. Ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. Donc il y a peut-être encore des progrès à faire au niveau de la féminisation dans la marine de ce côté-là. Nous, en tout cas, à l'association, on le regrette. On aimerait bien voir un petit peu justement cette diversité aussi
féminine et donc au sein ce qui est fait par exemple dans l'armée de l'air. Et puis également, vous parlez tous de la fidélisation, mais la fidélisation, le logement, l'hébergement, la reconnaissance, comme on vous dit depuis tout à l'heure, tout est lié. Et si vous voulez, la fidélisation, c'est pas forcément une histoire d'argent. C'est aussi une histoire de confort de la famille. C'est une histoire du confort du logement. Il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis de nombreuses années, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que M. Lachaud le souligne, la forfaitisation va amener justement une problématique au niveau de l'indice, puisque avant, on avait des revalorisations qui étaient faites, par exemple, sur l'ICM, qui va disparaître sur l'IUM. Et donc, automatiquement, on n'aura plus d'évolution de l'IUM, alors qu'avant, on avait une revalorisation qui était faite en fonction d'un point d'indice. Et donc, ça, c'est très problématique. Sans compter que, du coup, comme le disait le major Gnois, c'est que, justement, pour les pensions, ça va pas faire augmenter les pensions. Ça va pas donner envie de fidéliser les gens. C'est pour ça que nous, je vous disais, à la PNM Marine, on proposait justement que la prime de milieu soit intégrée dans les pensions, à l'instar un petit peu de ce que le HECME a proposé sur l'IUM. C'est quelque chose de logique, une reconnaissance juste, et ça permettrait de garder les compétences et de permettre de former les plus jeunes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et qui, une fois la NPRM mise en place, aller dans ce sens. Si on ne modifie pas les pensions dans les années à venir, l'attractivité, vous ne l'aurez pas non plus de ce côté-là. Mais bien évidemment, vous avez la reconnaissance, les médailles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. On peut juste parler du dialogue social. On a une petite divergence sur le fonctionnement et le fonctionnement de la PNM et le but qui est recherché. Nous, au niveau de la PNMR, la PNR, on ne fait pas partie de l'union des APNM. C'est pas parce qu'on ne s'aime pas ou c'est pas parce qu'on ne s'entend pas, c'est pas ça, c'est qu'on ne conduit pas les mêmes objectifs. Notre vision à nous, depuis le départ, on s'est créé en 2016, on a été représentatif immédiatement d'une force armée de premier niveau en 2017. Peut-être la particularité de l'APNER, c'est qu'elle s'est créée avec des gens qui l'ont fondée. C'est des gens qui, depuis des années, étaient au Conseil supérieur de la fonction militaire. Donc on en connaissait le fonctionnement, on en connaît toujours le fonctionnement, et on sait que la place au sein du CSFM, c'est bien la place d'un militaire dans un environnement hiérarchique. La plus-value qu'amènent les APNM aujourd'hui, cette véritable plus-value, c'est d'être capable de travailler en complément d'eux, vous l'avez parfaitement dit, en complément de ce qui se passe. Le CSFM, c'est l'organisme, c'est l'organe de concertation du ministre. C'est l'organe de concertation de la communauté militaire. Et nous, on le reconnaît volontiers, on ne veut pas l'intégrer. Nous, on veut travailler avec, on veut pouvoir le critiquer si on a envie, parce que c'est comme ça, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que pourrait dire le CSFM. C'est bien parce qu'on est une APNM qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec. Et donc, c'est important de comprendre que la finalité pour nous n'est pas d'aller rejoindre le CSFM. En revanche, en ce qui concerne le dialogue social, effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. On travaille parfaitement bien avec notre armée, vraiment parfaitement bien, depuis le début. On travaille parfaitement avec la DRH du ministère. On a d'excellents rapports. On a accès à tout ce qu'on veut quand on veut travailler. Il n'y a pas de difficulté pour nous. Après, on n'est jamais allé jusqu'au ministre, mais pour une raison simple. C'est que le ministre, lui, aujourd'hui, il n'a probablement pas d'appétence pour ça. Et on fait avec les règles du jeu qui sont en vigueur. Peut-être que demain, un autre ministre aura plus d'appétence et qui sera plus ouvert au dialogue, peut-être en descendant un peu plus dans la granularité. Mais aujourd'hui, on s'en contente. On ne peut pas dire que c'est parfait. On ne peut pas dire que c'est imparfait non plus. On dit juste que nous, on a trouvé un équilibre qui nous permet d'évoluer dans le paysage du ministère, qui nous permet de venir devant vous pour dire qu'on n'est pas content de la décision qu'a prise le ministre de commencer par le bas, et encore même pas de commencer par le bas des grilles, mais de pas commencer par le haut. Quand on dit que c'est pas intelligent, c'est parce que c'est toute la démonstration qu'on a fait la dernière fois et qu'on vient de refaire. Si on commence pas par le haut, même si idéologiquement on pourrait dire on augmente ceux qui gagnent le plus. Oui, mais si on augmente ceux qui gagnent le plus, c'est pour permettre à ceux qui sont en dessous d'arriver à atteindre ceux qui gagnent le plus.
Et c'est pour ça que c'est intelligent. Ça serait intelligent de le faire. Et moi, je pense que ce n'est pas perdu, parce que c'est tellement pas intelligent de ne pas le faire que je me dis, vous avez encore la possibilité d'en discuter et de dire, mais qu'est-ce qui prévaut ? Pourquoi ? Pourquoi on accepte encore, alors même que tout le monde est d'accord ? Je rappelle que le Haut Comité, c'est un organisme indépendant qui a été créé à l'occasion de la révision du statut général de 2005, qui dépend du président de la République, qui a été créé justement pour émettre un avis indépendant et faire des recommandations, pas au ministre, au président. Et dans le rapport, ça ne peut pas être une autre analyse que la nôtre. Ce n'est pas possible. Voilà. Depuis des années, ça n'est pas possible. Voilà. Donc pour ce qui relève du dialogue social, nous, on fait partie de ceux qui savons que les APNM, c'est jeune. Oui, je rejoins, pour le coup, on pourrait penser que ce qui a fait que la France a été condamnée, cette réforme, elle n'est pas allée à son terme parce que les APNM ne sont pas en mesure d'intégrer le CSFM. Je le rejoins. On pourrait penser ça. Moi, je ne le partage pas, parce que je pense que la place des APNM n'est pas au CSFM, et je pense qu'il ne faut pas que les APNM rejoignent le CSFM. Voilà, c'est un problème de conviction et c'est un problème de fond qui sera probablement traité à un niveau bien supérieur que le nôtre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Allez-y. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, bonjour. Déjà, je veux rebondir sur ce que a dit mon camarade sur la place des APNM. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réinventer pour les APNM, c'est plus le dialogue social autour des APNM que d'intégrer les APNM dans le CSFM. Je suis dans les deux, un pied dans chaque bateau, donc je suis assez bien passé pour en parler. Ça serait quand même incongru qu'une APNM critique une décision du CSFM alors qu'elle en fait partie. Ça serait un peu compliqué. Aujourd'hui, je pense que les APNM doivent garder leur liberté de parole et liberté d'action, qui, dans le cas du CSFM, n'est pas toujours aussi libre qu'on pourrait le croire. Les APNM ont notre rôle et doivent trouver leur place différemment. Et je ne pense pas que la finalité, c'est d'être au CSFM. Le CSFM ne serait qu'un vecteur et pas une finalité. Bon, passer ce petit discours sur le dialogue social, on peut reparler des grilles, hein. Attaquer par le haut, attaquer par le bas, bon, attaquer par le haut, théorie du ruissellement, on voit que ça ne marche pas très bien quand même ces temps-ci. Le vrai but de retoucher les grilles, c'est d'attaquer fortement les écarts entre militaires du rang sous-officier, officier marinier, officier marinier, sous-officier et officier. C'est là qu'il faut vraiment créer de l'écart pour créer de la motivation. Aujourd'hui, un adjudant, il vaut mieux qu'il reste sous-officier. Il gagnera plus à la retraite en finissant major que s'il passe officier où il sera limité au grade de capitaine. Son indice sera supérieur. C'est complètement hallucinant. Le système ne marche plus. Il est bloqué, il est sclérosé. Donc c'est vraiment ces écarts-là qu'il faut vraiment recreuser et retravailler. Et jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, un colonel qui commande une base aérienne de 2000 personnes, il touche environ, j'ai plus exactement le chiffre, environ trois fois ce que touche un soldat. Quel chef d'entreprise de 2000 personnes accepterait d'avoir son salaire qui n'est que trois fois celui de son employé le moins bien payé ? Si on se compare au civil, ce n'est pas possible. Et tout ça, ça touche à la fidélisation, à l'attractivité. Et la fidélisation, c'est multifactoriel, et l'attractivité est un des facteurs qui nuit à la fidélisation, car l'attractivité est faible, les gens sont sous-effectifs. J'ai fait plusieurs remarquements sur des bateaux de la marine. Les trous à l'emploi, c'est un problème constant. Donc on se retrouve avec des gens qui passent d'un bateau à l'autre, qui n'ont jamais de permission. Chez nous, on a des équipes à la DGA, on a des équipes de programme où il manque des architectes. C'est le manager qui compense. Le manager, c'est un poste très lourd, très chargé, qu'on vient chercher pour aller bosser dans les mêmes conditions, avec le double de salaire, mais avec un vrai effectif derrière. C'est normal que les gens s'en aillent. Hein. C'est humain. Donc le recrutement... Le salaire aussi très important dans la fidélisation. Aujourd'hui, les départs sont souvent pour de bien meilleurs salaires. Monsieur, on sort d'école d'ingénieurs, tous les quatre ingénieurs qui sont au fond de la table. Nos camarades de promotion, 20 ans après la sortie d'école, ils touchent entre une fois et demie et trois fois ce que nous touchons. Et ils n'ont pas plus de responsabilités, c'est pas vrai. Et nous, par contre, on a des vraies suggestions. On a accepté la mobilité.
on a toutes les suggestions de l'État militaire, sans forcément toutes les compensations, au moins sur le point de vue salarial. Si je fais un focus sur déjà, au niveau de la fidélisation, on a d'autres soucis, on a des soucis de reconnaissance. L'avancement est au ralenti, au moins pour le corps des IETA. Tout ce qui est récompense, même une lettre de félicitation, ça n'existe pas ou très peu chez nous. On a aussi un petit sujet, l'école de formation des IETA, qui est l'ENSTA Bretagne aujourd'hui, qui a été classée par le magazine étudiant 19e école d'ingénieurs en France. Qui est un magnifique classement. Aujourd'hui, il y a un projet de fusion entre l'INSTA Bretagne et l'INSTA Paris qui proposerait pour les IETA un diplôme de spécialité qui serait différent du diplôme de l'INSTA, donc un diplôme inférieur. Donc, le message qui est envoyé vers les IETA, c'est un message de déclassement, alors que les IETA sont la pierre angulaire, la cheville ouvrière de la DGA. C'est beaucoup de messages qui sont contre-productifs et qui sont démotivants dans un contexte tendu d'attractivité. Et pour faire un petit point, tant que j'ai la parole, je continue sur la NPRM. Oui, la forfaitisation est un vrai problème. Certaines primes vont suivre l'évolution du point d'indice, mais... on n'a pas vraiment de garantie là-dessus, mais il y a un autre sujet vraiment important, parce qu'on parlait d'IEM, c'est la com-IEM, le complément d'IEM, qui en fait fait perdre toute sa saveur, je dirais, à ce qui était l'ITAOPM, c'est-à-dire la compensation des jours, des 12 jours où l'on travaille au lieu d'être en RTT, comme on dit dans le civil, dans la fonction publique. La valeur de ce jour n'a pas été revalorisée depuis 2001. Qu'on soit soldat ou colonel, c'est 86 euros la journée. Parce qu'on ne sait pas calculer au prorata. Alors, je vous rassure, quand on a un jour de carence parce qu'on est malade, on sait calculer au prorata pour vous les durées de votre salaire. Hein. Donc ça, c'est devenu la com-IEM, ça rentre dans l'IEM, ça a perdu toute sa substance, tout le sel de l'origine de cette indemnité-là. Et aujourd'hui, les militaires sont complètement floués parce que moi... une journée avec mes enfants, ça vaut bien plus que 86 euros. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, je crois que j'en ai fini. Est-ce que j'avais à dire ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Allez-y. Mais pour répondre à la question de monsieur le député Bru concernant la condition du personnel, et notamment le lien avec les transports et l'implantation de nos garnisons, effectivement, c'est un véritable sujet, puisque il y a des années en arrière, un temps que je n'ai pas connu, il y avait effectivement des navettes qui reliaient les garnisons au centre-ville ou aux gares SNCF. Aujourd'hui, on l'a abordé dans notre propos liminaire, les tensions qui peuvent apparaître sur les services de soutien, et en particulier le commissariat des armées, et notamment sur la fonction des conducteurs, qui est une fonction assez désœuvrée, ne permet plus d'apporter ce soutien. Et au-delà des solutions locales qui peuvent être trouvées et portées par le commissariat des armées, la question du transport est fondamentale, et elle passe notamment par la pérennisation à long terme et avec l'ouverture de la concurrence à la compensatrice SNCF et aux avantages qu'ont les militaires sur le train, puisque le célibat géographique s'accompagne généralement de longues distances entre la famille et le personnel affecté, et que cette solution pour les trajets en train permet d'améliorer la condition militaire dans la mesure où elle permet de faciliter les retrouvailles familiales, les week-ends et les permissions. Allez-y. Monsieur le vice-président, donc je souscris à quasiment tout ce qu'ont dit mes camarades. Juste sur un point, nous à Prodef, on considère que les APNM ont le devoir de siéger en CSFM. C'est dans les textes. Et il y a en effet peut-être des améliorations à apporter. Mais aujourd'hui, il est impossible pour aucune de nos APNM de siéger en CSFM. Et c'est un vrai problème. Ouais, il faut changer la réglementation. Et c'est important de le rappeler ici. Pour la fidélisation, de nombreux rapports ont abordé ce sujet. Ce n'est un secret pour personne
que le militaire, durant ces dizaines de dernières années, s'est vu déclassé par rapport au monde civil. Le sujet est multifactoriel et il est partagé. Je ne vais pas insister sur ce sujet aujourd'hui, je vais venir sur le logement. Le logement est une situation... Ouais, c'est le truc qui... Le logement est dans une situation aujourd'hui critique, de façon globale, en France. Des choix, des évolutions de taux d'intérêt ont entraîné un blocage du marché de l'immobilier et du marché locatif. Les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Et cette particularité est renforcée chez le militaire qui, par sa condition, est amené à changer très souvent de lieu de travail. Aujourd'hui, il est assez incompréhensible pour le militaire, avec les nombreuses cessions de sites militaires qui ont été faites ces 10 dernières années, voire ces 20 dernières années, de se rendre compte qu'il y a moins de logements disponibles réservés pour le militaire. En citant des exemples simples et précis, le Fort d'Issy ou le Fort de Montrouge, qui étaient des établissements militaires, sont aujourd'hui été transformés en logements et il n'y a quasiment aucun militaire qui y habite. Et ça, c'est vraiment vécu comme une forte injustice. Et malheureusement, ce mouvement se poursuit. D'autres emprises militaires vont être transformées en logements et systématiquement, les militaires sont exclus des réflexions et du projet. Donc, messieurs, mesdames les députés, pensez vraiment, lorsque des emprises militaires vont changer de main, d'y intégrer les militaires, parce que le logement, et en particulier chez les premiers grades, est un sujet qui est majeur. Pour résumer sur l'attractivité de la condition militaire, pour les premiers grades, priorité au logement, et pour les hauts grades, revalorisation de la grille indiciaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, je voudrais juste terminer sur le logement, juste pour vous dire qu'on a bien compris que le plan Ambition Logement était un plan vertueux qui répond à une forte demande. La difficulté dans ce domaine, c'est que vous savez bien que les militaires sont comme les autres. Ils ont besoin de voir des résultats rapides. Or, on est tout à fait conscient que les résultats du plan Ambition Logement, on ne les verrait pas avant 2028-2029. C'est du long terme. Donc, les militaires, déjà, vont avoir du mal à voir les résultats concrètement sur le terrain. Alors, déjà, sur le plan logement, je rejoins autrement complètement vos propos. Hein. C'est lié à la fois au recrutement et à la fidélisation. Le logement, c'est la fidélisation. Être sûr de pouvoir conserver les familles comme on veut. Mais pas seulement. Il n'y a pas que le logement. Il y a aussi la partie hébergement. Les plus jeunes qui rentrent, les militaires du rang, souvent, ils sont hébergés. Les jeunes sous-officiers qui rentrent dans les armées et les jeunes officiers qui rentrent dans les armées, ils sont hébergés. Or, pour ne prendre qu'un exemple, on sait que déjà cet été, au moment du plan annuel de mutation, gros souci d'hébergement sur la région parisienne. Mais pas que. Pratiquement dans toutes les grandes agglomérations. Donc aujourd'hui, non seulement on a du mal à héberger les jeunes qui viennent de rentrer, donc ceux-là, déjà, on a du mal, mais on n'est pas en capacité de loger, d'héberger de manière correcte ceux qui viennent en célibataire géographique. Et cela, par contre, ça a un impact direct sur la fidélisation, parce que vous comprenez bien que déjà le célibat géo, ils le vivent souvent pas trop bien, mais si en plus vous rajoutez des problèmes d'hébergement, alors là, c'est la catastrophe. J'ai envie de dire que tous les paramètres sont réunis pour qu'il cherche un autre travail ailleurs s'il en a la possibilité. Donc on est à l'inverse de la recherche de la fidélisation. Il va tout faire pour partir, puisqu'il est mal hébergé. Et en plus, il est loin de sa famille. Vous imaginez, il y a tous les facteurs. Alors je pourrais même rajouter, en plus, il est mal rémunéré. Donc vous voyez bien que tous les facteurs sont réunis pour ne pas les garder.
Donc, j'ai envie de dire, l'ambition logement, c'est très bien, mais avant de voir les premiers résultats, ça va être long, parce qu'on sait bien que dès qu'il s'agit de la pierre, c'est du long terme. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, notamment en région parisienne, c'est l'hébergement. On a un gros souci d'hébergement, et je pense qu'effectivement, au travail, au travers de toutes les sessions qui ont eu lieu de logements domaniaux, etc., je pense qu'il pourrait être mené une politique urgente et prioritaire sur l'hébergement des militaires en région parisienne. Je vous en prie. Juste un complément pour parler de deux choses. Alors l'hébergement en région parisienne, je rejoins totalement. Et d'ailleurs, on avait le projet Val-de-Grâce qui était un projet d'hébergement à grande échelle sur Paris que, bien évidemment, il a été refusé par le gouvernement à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ce projet, on le porte toujours, mais on voit bien qu'on a des problèmes d'hébergement et on continue à insister à les problématiques parisiennes avec le fait que, justement, à partir du moment où on vend une emprise, on a le droit à un certain pourcentage de logements qui nous sont attribués, mais ils sont minimes par rapport aux logements sociaux qui sont récupérés sur la plateforme parisienne. Donc ça, c'est la loi qui est sur Paris, je ne sais plus quel nom c'est. Mais on voit bien que là, il y a une problématique. Et la deuxième chose où c'est un peu différent dans la marine, nous, nos équipages, tous nos équipages, ils sont hébergés. Il n'y a pas de problématique sur les équipages. Par contre, nous, on a un vrai problème de célibataire géographique, effectivement, comme je pense dans beaucoup d'armées. Et encore plus pour nous, puisque par rapport, nous, on travaille essentiellement sur des bases navales. Et nos bases navales, les familles ne se déplacent plus. C'est terminé. La mobilité des familles, la société fait qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec les problématiques d'emploi, le conjoint ne veut plus perdre son emploi donc, et garder un certain confort familial, fait qu'aujourd'hui, c'est le militaire qui se déplace tout seul en tant que célibataire géographique. Donc là où je rejoins le major Guimois, c'est que justement, c'est un gage de fidélisation. Si vous arrivez à héberger vos célibataires géo et à leur donner une certaine appétence pour rester, vous garderez le personnel plus longtemps. Sinon, vous allez avoir encore une fuite en avant. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Aujourd'hui, beaucoup, et surtout dans les spécialités de la marine, puisqu'on est une armée vraiment de spécialistes, on se retrouve bien dans cette situation où on regarde vers l'extérieur et souvent où, à solde et salaire équivalent, vous faites dans le civil... 35 heures, vous avez un CE qui est exceptionnel et vous avez une protection sociale qui est vraiment extrêmement bien couverte. Donc c'est très difficile. Si en plus vous leur dites bah, vous êtes mal logé, la décision est vite faite. Hein. Ils partent. Je crois qu'on a fait le tour. Il reste une question. Franck Giletti, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci, messieurs, pour votre liberté de parole, pour votre franchise, bon, qui est propre à votre structure, mais qui fait du bien. Pour vous dire aussi que nous soutenons, notre groupe, en tout cas, la plupart de vos propositions, de vos suggestions. J'entendais parler de mixité. J'interrogeais l'amiral Vaujour la semaine dernière concernant pour accéder au grade, au commandement des navires de premier rang sur la mixité, sur les différentes voies d'accès à ces commandements, pas forcément que issus de l'école navale. J'entendais aussi parler de points d'indice, enfin de revoir la grille indiciaire. Ça, c'est un combat que nous avons porté dans l'hémicycle. Ça, c'était ma vision un peu générale de ce que j'ai pu entendre ce matin. Moi, j'avais une question plus particulièrement, évidemment, pour la PNM mer, donc marine, puisque étant toulonnais. La semaine dernière, dans notre commission, a aussi donc l'amiral Vaujour, qui, comme l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace, fait face à un défi de taille, celui de la fidélisation des personnels de la Marine nationale. Pour employer ces termes, l'enjeu réside dans l'impératif de donner envie aux marins de s'engager, de rester et de progresser. On le sait, l'institution militaire se voit concurrencée par une offre civile, vous êtes revenu hein, là-dessus, souvent très attractive, mais cela n'est pas tout. La revalorisation du point d'indice, la mobilité, la carrière des conjoints, les conditions de vie et de travail sont autant d'éléments qui pèsent dans la balance. Pourtant, en 2024 sera mise en place la première composante d'équipage du futur porte-avions de nouvelle génération. Ne voyez-vous pas une difficulté quant à l'armement des bâtiments actuels et futurs? Quelles sont, selon vous, les mesures de fidélisation? Vous êtes revenu là-dessus, évidemment, pour assurer le défi RH posé par la nouvelle LPM. L'augmentation de l'indice brut annoncée par cette dernière suffira-t-elle? Je vous remercie. Qui est-ce qui veut répondre? La marine, me semble, la...
Merci pour cette question, monsieur le député. Effectivement, on va avoir l'armement du Pang, du futur porte-avions nouvelle génération. Ça crée des difficultés puisque, comme l'amiral Vandy avait dit, qu'il fallait constituer un équipage de 900 personnes pour pouvoir créer le corps de ce porte-avions. Aujourd'hui, la difficulté réside à la fois d'avoir à former aujourd'hui les personnels qui iront sur ce futur porte-avions, mais également de garder suffisamment de connaissances et de compétences avec les anciens. Et c'est là où ça va être la problématique, c'est que si vous avez plus de personnel expérimenté pour pouvoir armer le futur porte-avions, vous allez vous retrouver sur le fait où vous aurez des classes creuses, comme on a le cas pour certaines spécialités. Si vous n'avez pas une politique de fidélisation qui soit attractive sur l'ensemble des spécialités où on est déficitaire, c'est-à-dire pratiquement toutes, malheureusement, puisque le marché concurrentiel civil pour la marine est extrêmement important. Donc les électriciens, les mécaniciens, vous avez également tout ce qui est la partie cyber qui est extrêmement demandatrice. Et donc, du coup, ça ne retient pas. Donc, comme je parlais dans la finalisation, c'était justement par rapport aux pensions, de créer justement la possibilité d'ajouter, de les revaloriser, d'ajouter justement certaines primes au sein de ces pensions. Et puis aussi une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a gagné un confort avec les FREM qui est toujours, qui n'est pas quelque chose d'acquis, mais qui permet d'avoir le double équipage. La question que se posent les marins, c'est tout simplement, est-ce qu'on va garder ces doubles équipages ou est-ce qu'il faudra armer justement le porte-avions, le futur porte-avions, et que je perdrai ce confort que j'ai aujourd'hui de pouvoir être avec ma famille, de pouvoir avoir des temps de repos. C'est une réelle question qui est posée aujourd'hui par les marins eux-mêmes dans les unités. On sait très bien que s'il n'y a pas suffisamment de recrutement et de fidélisation, on ne sera pas capable de garder le format actuel de la marine, puisqu'on voit déjà, comme le disait mon collègue, dans la marine, on est déjà obligé de prendre Pierre pour appuyer Paul sur certains bateaux, parce que entre les personnes qui sont malheureusement malades, ça arrive à tout le monde, et puis le personnel qui a débarqué parce qu'il ne veut plus quitter la marine et qu'on n'est pas capable de remplacer parce qu'on a des trous, on se retrouve à chaque fois à changer de bateau. Et c'est là, c'est la... Alors, c'est la rusticité du marin qui fait qu'il accepte, mais un certain temps. C'est dans le temps, ce ne sera pas tenable. Et d'ailleurs, les plus jeunes aujourd'hui qui sont rentrés il y a 5-10 ans le disent, j'attends ma pension, dès que j'ai ma pension, je pars. Donc, ça veut dire qu'à 19 ans de marine, la personne qu'on a enfin pu former avec une certaine compétence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je quitte l'institution. Elle sera suffisamment formée et donc on n'aura pas les compétences nécessaires pour armer nos futurs bâtiments. Donc c'est un réel enjeu, la fidélisation. Monsieur le Président, juste un petit rebond. Et c'est notamment prégnant chez les sous-mariniers avec ce double équipage qui sont déficitaires. Et donc ça oblige à faire deux cycles d'affilée pour certains sous-mariniers. Et à 17 ans, j'ai bien entendu ce discours où il disait clairement qu'ils faisaient leur dissident et qu'ils avaient posé la casquette. Oui, les sous-mariniers, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui. On leur acquiert une certaine compétence en tant qu'atomicien. C'est surtout ces spécialités-là, hein, électriciens, mécaniciens, qui sont dans le domaine nucléaire, qui sont très demandés vers l'extérieur, ce qui est logique et normal, puisqu'il y a une double formation. Il y a une formation civile avec EDFF, avec Areva, et une formation aussi militaire. Donc, automatiquement, ces gens-là, quand ils sortent, ils sont employables de suite dans ces sociétés. Donc, les retenir, c'est difficile. Si vous n'arrivez pas à faire la possibilité qu'ils aient une reconnaissance. Dernièrement, il y a aussi une étude qui est faite justement sur la TRN pour que justement les sous-mariniers puissent y avoir accès. On ne sait pas où ça ira, si ça sera accepté ou pas. Mais c'est quand même quelque chose qui permettrait justement d'avoir cette reconnaissance du service accompli pour ces marins qui vont partout dans le monde et que c'est la voie silencieuse, au final, les sous-mariniers.
Oui, pour compléter un peu ce qu'a dit mon collègue, pour avoir fait des tables rondes sur des bateaux, il y a un autre point dans la marine. La marine a besoin de marins, mais la marine a besoin de marins qui embarquent. Et aujourd'hui, on a des marins à terre qui n'ont aucun intérêt financier à embarquer parce qu'ils ne touchent pas beaucoup moins et en étant sur base, ils profitent de toutes les aides sociales, de l'amicale, de machin, d'aller acheter des billets de cinéma. Ils sont sur place, ils connaissent tout puisqu'ils sont là. Et bon, ils n'ont pas que ça à faire, mais ils ont du temps disponible. Parce qu'il faut bien voir, et c'est important ce que disait mon camarade, comment ça se passe sur un bateau et l'importance d'avoir des anciens. Sur un bateau, il n'y a pas de temps mort. Le temps mort, c'est le sommeil. Le reste du temps, les anciens apprennent aux jeunes, leur montrent comment ça fonctionne. C'est de l'apprentissage permanent, du tutorat permanent. Donc la perte des anciens et la perte des métiers et le départ de ces mi-carrières hautes, du grade de premier maître au grade de cipal ou de major, c'est ça qui est crucial, parce que si la marine perd trop de monde à ce niveau-là, après, je suis là déjà, je ne vais pas mettre les pieds dans les affaires de la marine, hein, mais c'est mon ressenti pour l'avoir vécu d'un peu près, on va perdre ce qui parlait de classe creuse en termes d'apprentissage et de métier, ça risque d'être vraiment difficile. Merci, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai retenu on a abordé beaucoup de sujets, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement interpellé, c'est le logement et l'hébergement, et puis, je crois, les grilles indiciaires. Bon, je tenais à vous remercier, messieurs les représentants des APNM. Je crois que nous avons eu des échanges riches et instructifs. Nous avons tous en tête l'importance de vos structures, notamment dans la préservation et la promotion des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Donc, merci et bonne fin de journée.